vous regardez RTL. 4h30, 7h, RTL Matin. Avec Julien Cellier. On peut pas commencer comme ça, c'est pas possible. Je m'en vais. Donc c'était la merveilleuse voix de notre réalisateur Hervé Poépion qui avait envie de faire de la radio. Il est fou. En tête. Aïe, aïe, aïe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. On est ravis de vous retrouver. C'est vendredi et vous l'avez compris, on est de très bonne humeur parce que le week-end approche, les amis. C'est le dernier réveil, on va vous accompagner dans cette fin de semaine et dans ce début de journée. On va vous envoyer, vous l'avez compris, plein de bonnes ondes avec la joyeuse bande des petits matins, avec Marina. Salut Marina. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Avec Olivia, salut Olivia. Bonjour à tous. Olivia qui a déjà un SMS d'un auditeur qui dit j'adore Olivia. Ah bah moi aussi je vous adore, je ne sais pas qui vous êtes. Il rajoute en tout bien tout honneur, puisque marié et heureux. Donc c'est encore moi plus aussi, beau. Tout pareil. Vous mariez-vous? Presque. Ah d'accord. On salue Arthur qui attend tous vos appels. Vous n'étiez pas en mariage vous? Non, bah non, j'étais pas invité. C'était le week-end dernier. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé des vacances. Oui. Ah d'accord. On salue Arthur qui attend vos appels ce matin en 32-10. Salut Arthur. Bonjour Julien, bonjour à tous. Moi je n'aime pas trop Olivia. Voilà. En tout bien tout honneur. On peut pas plaire à tout le monde. Un trio à la réalisation ce matin. Tiffen, Dany, Hervé, salut les amis. Bonjour. Voilà, au nom de cette joyeuse équipe, je voudrais avant toute chose ce matin vous remercier pour votre fidélité. Vous savez que les audiences radio de la rentrée septembre-octobre sont tombées hier, c'est un peu le juge de paix dans notre métier. Et verdict, vous êtes 1 507 000 à vous réveiller chaque matin avec les petits matins de RTL. Vous êtes toujours plus nombreux, il y a 125 000 petits nouveaux supplémentaires à l'écoute, donc merci. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance, pour votre fidélité, merci de nous avoir accueillis, moi, Olivia, Arthur, les bisous de la bande dans votre communauté des Leftos cette saison. Merci de nous accueillir chez vous, tous les jours à travers le poste, à l'heure où vous prenez votre petit déjeuner. Ça nous donne encore un peu plus envie de faire ce joli métier et de se lever si tôt pour vous réveiller chaque jour et pour vivre avec vous de belles aventures. Est-ce qu'on a le détail quart d'heure par quart d'heure? Je voudrais savoir à quel moment je peux chanter pour toucher le plus de monde du coup. Alors non, il y a aussi des sondages qui montrent qu'il faut arrêter de chanter. Mais alors ça c'est une certitude. Pas besoin de sondage. Là il n'y a pas besoin de sondage, ça c'est une certitude. Donc 2h30 d'émission comme tous les matins. Promis, on essaiera de garder Olivia muette ce matin et on vous donne le programme de la matinée. Alors je vais commencer par ce qui vous intéresse Marina, c'est-à-dire ce qu'on va manger. Oui, hein. C'est très important. Parce que voilà, il faut aller à l'essentiel. Juste avant 6h, le plat du jour, on va manger de la truite. Ah, j'adore. Génial. Et ben voilà. Il en faut peu. Hein. Il en faut peu. De la truite ce matin, avant 6h dans le plat du jour avec le chef François Pasteau. Le surf de Cyprien Sini, ça aussi, je sais que ça vous plaît, les filles. On va surfer avec Eric Cantona ce matin avec Cyprien Sini. Laissez-vous tenter première avec Stéphane Boutsock. On va parler cinéma et du dernier film d'Yvan Attal. Un air d'Amérique à New York avec. Un petit chat qui est passé dans la gorge. Avec Philippe Corbet qui va nous parler d'une hôtesse de l'air un peu particulière. Et puis il y aura aussi du sérieux, de l'actu, du news, nos experts bien entendu avant 7h, Vincent Derosier aujourd'hui pour les confidentiels qui va nous parler de Laurent Wauquiez qui fait peur à En Marche et puis on décryptera toute l'économie avec Christian Melanto bien entendu. Un journal toutes les demi-heures, deux météos avec Marina également toutes les demi-heures. Voilà, c'est le menu de votre petit déjeuner ce matin sur RTL. On vous souhaite un très bon réveil en ce vendredi 17 novembre. RTL Petit Matin, ça commence là, maintenant. RTL Matin. Julien Cellier. Et ça commence avec le tout info d'Olivia Loret. Toute l'info en moins de 5 minutes. La mobilisation contre la politique libérale d'Emmanuel Macron s'essouffle. Pour la 4e journée, les syndicats ont rassemblé 80 000 personnes hier dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, il n'y a pas que les chiffres qui comptent. Il y a effectivement des journées qui sont moins bonnes que les autres en termes de mobilisation, mais le fait que dans les entreprises et les contacts qu'on peut avoir avec les salariés, moi ce que je vois c'est que le mécontentement il grandit. Vous voyez les sondages, on les regarde aussi, mais quand on croise les salariés, il n'y en a pas beaucoup qui saluent l'action de Macron en matière sociale. Donc il faut qu'on continue à bosser. En tout cas, la page n'est pas tournée, contrairement à ce que peut croire monsieur Macron et le gouvernement.
De grosses perturbations à prévoir aujourd'hui dans les transports en commun si vous êtes à Marseille. Une grève intersyndicale est prévue suite au licenciement d'un conducteur qui avait provoqué un accident cet été. Toutes les lignes, tram, métro ou bus seront perturbées. Les forains ont perdu la bataille judiciaire du marché de Noël des Champs-Élysées. Définitivement, la justice a tranché, il n'y en aura pas cette année, estimant que le recours de Marcel Campion n'était pas recevable. La mairie de Paris s'est réjouie de cette nouvelle. Le roi des forains, lui, ne veut pas en rester là. Il l'a dit hier soir à Marc-Olivier Fogiel. Rien n'est joué parce que je suis débouté, mais laissez faire les choses, on verra bien. Je vous dis qu'on est au Conseil d'État et on verra bien ce qui va se passer. Non mais c'est pas possible pratiquement parlant, Marcel Campion. Si, c'est possible, il n'y a pas d'impossibilité. Ça m'est déjà arrivé dans le jardin des Tuileries, on a eu la même situation. On a été rebouté par le tribunal administratif, on a été au Conseil d'État et la fête foraine a bien eu lieu à sa date. Bon, il y aura quelques jours de retard, c'est pas grave, et puis on ira un peu plus tard. Disons qu'on fera le marché de Noël peut-être pour Pâques. Deux entraîneurs islamistes écartés d'une équipe de foot de Seine-et-Marne. Information RTL, c'est une demande de la mairie de Lagny-sur-Marne. Les deux hommes sont connus des services de renseignement pour radicalisation ou association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ils avaient réussi à infiltrer le club étape par étape. Plus de deux semaines après la mort d'Alexis en Haute-Saône, son mari vient de se constituer partie civile. Conséquence, Jonathan Daval aura accès au dossier d'enquête. Le meurtre de son épouse n'est toujours pas élucidé. Pour la première fois depuis 5 mois, Jacqueline Jacob sera interrogée par le juge d'instruction aujourd'hui. Avec son mari, il est soupçonné d'être impliqué dans la mort du petit Grégory. Les époux Jacob ont été mis en examen en juin dernier. À la une également, Saad Hariri attendu à Paris demain. Le premier ministre libanais démissionnaire a accepté l'invitation lancée par Emmanuel Macron. Il va quitter Riyad pour passer quelques jours en France. Et Jean-Yves Le Drian en visite à Riyad pour finaliser le dossier qu'il a annoncé hier. La veille, le ministre des Affaires étrangères avait été reçu par le prince héritier Mohamed Ben Salman, à qui il apporte son soutien pour la transformation de son pays. C'est un allié fiable, mais c'est un allié aux méthodes vigoureuses, on va dire. Il a la détermination de mener à bien ses réformes. Et donc, quand il y a des choses de positives qui se mènent dans un pays comme celui-ci, il faut soutenir. Jean-Yves Le Drian avec nos confrères de TF1. Au Zimbabwe, c'est un non catégorique. Le président Robert Mugabe ne lâchera pas le pouvoir. C'est ce qu'il a annoncé lors d'une discussion avec l'armée, malgré leur prise de contrôle de la capitale Harare. Le football, de retour au stade de la Licorne à Amiens ce soir. En ouverture de la 13e journée, Monaco se déplace en Picardie, un mois et demi après l'effondrement d'une barrière de la tribune visiteur qui avait fait une trentaine de blessés chez les supporters de Lille. Le coup d'envoi est à 20h45 et le match à suivre dans le soir de Ligue 1 d'RTL. Auparavant, Lille reçoit Saint-Etienne à 19h. Et puis, la mort du comédien Robert Hirsch à l'âge de 92 ans. Il avait rejoint la Comédie Française en 1948. La dernière fois qu'il était monté sur scène, c'était l'année dernière, en 2016. Merci beaucoup, Olivia. Le temps maintenant avec vous, Marina. Tiens, on a Patrice qui nous signale 6 degrés ce matin avec des nuages à Saint-Malo. 6 degrés, c'est quoi? C'est la moyenne haute, la moyenne basse ce matin? Oh, on va dire que ça remonte un petit peu. Il y a moins de gelée, mais enfin, c'est pas non plus de la grosse chaleur, hein, parce qu'il y en a 0 degré dans le Doubs à Valentinet, c'est pas de 25 qui nous envoyait l'info. On a 5 degrés à Melun, le ciel est nuageux. C'est Jean-Louis qui en profite pour faire un bisou à son fils Geoffrey. Nous avons 7 degrés au Mans, léger brouillard. SMS de Doudou de chez Dérapage Corporel. Franck de chez Mesguen est à Quimper, 5 degrés. Il y a beaucoup de brouillard. Il fait une bise à Cathy et il souhaite une bonne route à tous les chauffeurs Mesguen. Et on a aussi du brouillard à Saint-Égonec dans le Finistère. Brouillard dense avec 9 degrés. C'est un SMS d'un auditeur qui en profite pour dire un bonjour à Guillaume. À mon avis, ça devait être Guillaume. Il a dû avoir une erreur de frappe de chez Eltran. Alors voilà pour vos infos ce matin. Les températures cet après-midi, on aura entre 6 et 20 degrés, hein, avec 7 à Saint-Étienne et au Puy-en-Velay, 9 à Charleville-Mézières, 10 degrés à Châteauroux, 12 à Rodez. Il fera 15 degrés à Auch ou encore à Cahors. Côté ciel, ce matin, ce sera plutôt ensoleillé, sauf sur certaines régions du nord, c'est-à-dire de la Bretagne au Pays de la Loire, Normandie, région parisienne, en allant vers l'Eure-et-Loire, le Loiret, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera nuageux avec des petites averses. Il n'y a vraiment que sur le Doubs et le Jura, il y aura du soleil. Et puis du soleil qui va revenir vers les Hauts-de-France. Et ce soleil sur les Hauts-de-France s'étendra cet après-midi au nord de la Normandie, au nord de la région parisienne et aux Ardennes. Ça restera nuageux sur le reste de la moitié nord et puis sur la moitié sud. Pas de changement, hein, du soleil ce matin, du soleil cet après-midi. Puis on a toujours quelques brouillards qui traînent. Donc prudence, parce que là où il y a quelques jeux, est-ce qu'il y en a
a quand même quelques-unes, même si elles sont moins nombreuses qu'hier, eh bien c'est du brouillard givrant. Merci beaucoup Marina. Il y a plusieurs moyens d'entrer en contact avec nous. Vous le savez, tous les matins, c'est votre émission RTL Petit Matin. Donc vous n'hésitez pas, vous nous interpellez, vous commentez l'actualité, vous aidez Marina dans sa météo en nous envoyant par exemple un texto. Au 64 900, code matin, on écrit matin, on laisse un espace, on écrit son message et donc on envoie tout ça au 64 900. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr et puis aller cliquer également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de RTL Petit Matin. Vous êtes des centaines, des milliers d'abonnés et on vous en remercie. Tous les jours, vous y retrouvez sur cette page Facebook les temps forts de l'émission, les coulisses, en gros l'actu des Petits Matins. Ça vous permet de commenter de manière instantanée l'actualité, de réagir instantanément à ce qui est en train de se passer à l'antenne. Ça vous permet aussi de nous interpeller sur différents sujets. Allez cliquer donc sur cette page Facebook RTL Petit Matin. Vous pouvez aussi échanger avec nous, interagir sur Twitter. Le hashtag c'est RTL Petit Matin. Là aussi, entre 4h30 et 7h, vous retrouvez toute l'actu de l'émission en temps réel. Et puis, il y a le compte @RTL Petit Matin. Allez donc vous y abonner. Et puis, le 3210, le bon vieux coup de bigot, la façon la plus simple et directe d'entrer en contact avec nous, la façon aussi d'intervenir à l'antenne pour débattre chaque matin de l'actualité. Ce matin, on a envie de parler avec vous de la situation dans nos hôpitaux parce que je vous donne un rendez-vous qui sera sans doute très fort ce matin. Ce sera à 6h15. Josette Risterucci, secrétaire médicale à l'hôpital de Bastia, sera notre invitée. Pourquoi ? Parce qu'avec 6 autres employés, elle a entamé une grève de la faim fin octobre pour alerter sur la situation de son établissement, de l'hôpital de Bastia. Établissement qui a une dette abyssale. Les conséquences, elles sont concrètes pour les patients. Les fournisseurs refusent de livrer des compresses, des médicaments. Il y a 3 blocs opératoires qui ont été fermés pour vétusté cet été. Les locaux ne sont plus aux normes incendie. Bref, c'est la grande misère de l'hôpital Corse. On sait que d'autres hôpitaux français sont aussi en difficulté, pas forcément à ce point. On attend justement les patients, les personnels, les médecins ce matin. Est-ce que vous avez constaté dans nos hôpitaux une vétusté des bâtiments, un manque de médicaments, parfois un manque de moyens, de temps pour le personnel? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être soigné dans des hôpitaux qui survivent avec des bouts de chandelle? Vous avez la parole ce matin au 3210 en attendant donc Josette Risterucci, infirmière et gréviste de la faim à l'hôpital de Bastia, qui sera avec nous à 6h15. En attendant, on attend vos témoignages, bien entendu, sur RTL. Il est 4h42, vous savez qu'on aime vous réveiller en musique. Et bien ce matin, c'est Tibbs qui vous réveille en musique avec Nation sur RTL. Très bon réveil en ce vendredi 17 novembre. Tibbs avec Nation ce matin à 4h44 sur RTL. C'est extrait de la compile les hits RTL 2017. Ce sont 3 CD où vous retrouvez tous les hits de l'année. Il y a plus de 40 tubes. Et sachez que tous les auditeurs justement qui vont intervenir sur l'antenne aujourd'hui, pas que dans les petits matins, hein, sur RTL tout au long de la journée, vont remporter l'album des hits RTL 2017. Ça, c'est un joli cadeau Noël avant l'heure. Voilà, à quelques semaines de Noël. Autre cadeau, mais ça, c'est tous les matins. Ce sont les bons conseils du Docteur Simès, c'est gratuit tous les jours après le journal de 8h avec Yves Calvi. Si vous l'avez raté hier, le revoici. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, plein feu sur les acariens et en conséquence sur les produits anti-acariens qui ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le dit. Oui, nous sommes en pleine saison d'automne et l'automne a ceci de particulier que c'est avec l'hiver la saison préférée des acariens. Est-ce que vous savez pourquoi ? Absolument pas, mais vous allez certainement nous le dire. Eh bien parce que les maisons sont chauffées et qu'elles sont moins souvent aérées. Conséquence, les femelles acariens, les acariennes, pondent à qui mieux mieux et nous, on collectionne les rhinites, les crises d'asthme, les conjonctivite et tutti quanti. Dès lors, la tentation est grande de se tourner vers tout un tas de produits que vantent des slogans publicitaires, dont les promesses, comme souvent, n'engagent que ceux qui les croient, car ces produits sont au mieux inefficaces, au pire dangereux. Allons bon, quels sont donc ces produits ? Alors, en tête de gondole, on trouve des bombes aérosols acaricides. Mmh. Leur particularité, c'est qu'elles font moins de mal aux acariens qu'à ceux qui les manipulent. Oui. Si vous êtes asthmatique ou allergique, les particules fines émises par ces aérosols auront vite fait de vous poser des problèmes une fois qu'elles auront atteint vos bronches. Aïe. Sans compter que certaines bombes sont plus à retardement qu'autre chose, parce qu'elles contiennent un pesticide interdit sur les surfaces agricoles, rien que ça. Alors bien sûr, à la maison, les doses sont extrêmement faibles, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ces produits ne sont pas interdits à la vente. Mais si je me réfère aux études réalisées par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, je vous conseille de les éviter.
Les chercheurs de l'INSERM ont en effet noté que ce pesticide, quand il abonde dans les urines des enfants de moins de 6 ans, retarde le développement cognitif, donc les bombes acaricides, on oublie. Bon, y a-t-il d'autres produits à rayer de la liste des courses ? Oui, les aspirateurs anti-acariens. L'appellation ne manque pas de pain, mais l'efficacité de ces joujoux n'a jamais été validée scientifiquement. Cela dit, dans l'idéal, on peut veiller à ce que l'aspirateur soit équipé d'un sac et d'un filtre HEPA, H-E-P-A, ça veut dire haute efficacité pour particules aériennes. Et avec ça, on évite autant que possible que la poussière pollue l'air ambiant. Bon, donc on ne peut rien faire. Alors pour les matelas, si. Il existe des housses de matelas ainsi que des housses d'oreiller validées par les allergologues. Je ne vais pas citer de marque à l'antenne, mais je vous conseille de vous rapprocher de certaines associations spécialisées dans l'environnement intérieur. Elles vous diront tout. L'avantage de la housse de matelas, c'est qu'elle fait barrière. Elle empêche les acariens de remonter du matelas vers vous et elles empêchent les peaux mortes et les poils de redescendre de vous vers le matelas. Parce que les peaux mortes et les poils, eh bien les acariens s'en nourrissent. Posez toutes vos questions à Julien Cellier dans RTL Matin par SMS au 64 900. Effectivement, vous n'hésitez pas, c'est votre émission, vous interagissez avec nous, les textos, les mails, la page Facebook RTL Petit Matin, les coups de téléphone. Merci pour vos messages très sympas ce matin, on vous remercie pour votre fidélité après nos bonnes audiences il y a quelques minutes. Eh bien, on a Philippe qui nous dit « Ne changez rien, je vous écoute tous les matins ». On a Bernard qui nous dit exactement la même chose. Voilà, merci pour tous ces messages qui sont nombreux tous les matins, ces messages sympas, enthousiastes. On n'a pas tous le temps de les lire malheureusement parce que vous êtes très nombreux à nous écrire, mais sachez que ça nous fait chaud au cœur et qu'on est très heureux en tout cas d'avoir pu prolonger cette communauté d'Electro sur les différents supports qui sont à votre disposition. On va parler de Manu qui est routier, qui a juste dit vive RTL. C'est pas mal comme message. Ouais, c'est pas mal ça. Sinon pour vos messages météo, on a du brouillard ce matin encore une fois, moins 1 degré, brouillard, donc brouillard givrant à Charroux dans l'Allier, c'est un SMS de Lilian. Ludo, lui des transports bail, est à Sochaux, brouillard et 1 degré, il passe le bonjour à tous ses collègues. 8 degrés à Sisson dans l'Aisne, SMS de Titi02. Il fait 2 degrés à Bourg-les-Valence. Il y a beaucoup de vent, c'est vrai qu'il y a encore du Mistral et de la Tramontane aujourd'hui dans le sud-est. Et puis 2 degrés à Château-Guibert, c'est en Vendée, ça, SMS de Patricia. Merci pour tous vos messages ce matin, comme tous les jours, sur RTL. On part en Allemagne, les amis. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina. Bonjour Virginie. Car Virginie, vous êtes toujours à Bonn au sommet sur le climat où sont présentées des solutions pour lutter contre le réchauffement. Parmi les énergies d'avenir, l'hydrogène, car faire rouler des voitures ou des bus à l'hydrogène, ça a de gros avantages. Oui, parce que ça ne dégage que de la vapeur d'eau, aucun polluant. Imaginez, pour débarrasser les centres-villes de tout ce qui nous encrasse les poumons, c'est la solution d'avenir. Alors à Paris, déjà 50 taxis roulent à l'hydrogène. Il y a une station près de la Seine où ils peuvent aller remplir leur réservoir en 3 minutes. Une autre va ouvrir le mois prochain à Orly, à l'aéroport. En tout, 7000 voitures roulent dans le monde à l'hydrogène, surtout au Japon. Quelques bus et bientôt un train en Allemagne. Alors c'est un gaz qui n'existe pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. L'extraire, soit d'un autre gaz, le méthane, c'est la solution actuelle, la moins chère. Mais quand on sépare l'hydrogène du méthane, ça dégage du gaz carbonique. Donc ça, c'est mauvais pour le climat. Alors soit on peut aussi le trouver dans l'eau. On l'extrait en pratiquant l'électrolyse. Vous l'avez peut-être fait en cours de chimie à l'école. Là, il faut simplement de l'électricité. Et si elle est solaire ou éolienne, on obtient une énergie qui ne pollue pas du tout. Alors pour l'instant, cette méthode est plus chère. Mais ici à Bonn, 18 grands groupes industriels dont Air Liquide pour la France sont venus expliquer que ça les intéresse, qu'ils vont faire de la recherche pour développer la production à base d'eau, qu'ils devraient faire baisser les coûts. Et ces groupes estiment que cette nouvelle énergie va pouvoir réduire de 20% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 et créer un énorme business de 2500 milliards de dollars par an. Virginie Garin, envoyée spéciale de RTL à Bonn en Allemagne. RTL Matin. Avec Julien Cellier. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. Tous les matins, à 7h06, sur RTL, à l'heure des lève-tôt, alors que la nuit est encore bien pleine, eh bien nous partons à la rencontre de l'un d'entre vous qui nous raconte sa vie, qui nous raconte son quotidien. Et on va écouter le quotidien d'un boulanger, Alexandre, qui nous appelle de Sarreguemines en Moselle. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien et bonjour Marina. Bonjour Alexandre. Ah, quel beau métier. Hein ? Oui, surtout en période de Noël. Ah, pourquoi sauf en période de Noël ? On commence à faire les bûches et puis il y a tout ce qui est, parce qu'on est quand même très près de l'Alsace, donc il y a tout ce qui est petits biscuits alsaciens qui commencent à se faire et tout.
Ça demande du boulot, ça, non? Oui, c'est un peu plus que d'habitude. On commence plus tôt, mais bon, après, c'est la période qui veut ça. Après, c'est plus calme le reste de l'année, quand même. Oui, bon, là, en ce moment, vous commencez à quelle heure, par exemple? Bah, en ce moment, on commence à minuit. On fait un roulement avec le deuxième boulanger qui va venir vers 2h du matin. D'accord. Donc, l'un à minuit et l'autre à 2h du matin? Ouais. Vous êtes deux boulangers? Oui, on est deux boulangers et puis il y a une pâtissière. D'accord. Bah dis donc, minuit, ça doit vous faire des journées assez particulières, ça, quand même, non? Ben ouais, on est un peu décalé au niveau... un peu beaucoup, maintenant. On vit la nuit, et puis du coup, bah, le jour, on se repose. Moi, je rentre généralement vers 9h, donc après, de 9h jusqu'à 17-18h, je dors. Ouais. Et puis après, on enchaîne sur une journée. Bon, c'est pas trop difficile, ça va, parce que là, pour le coup, vous devez vraiment... Enfin, vous êtes un peu comme nous, hein, mais vous voyez pas le jour, quoi. Vous vivez la nuit, vraiment, quoi. Avec, en plus, ces heures d'hiver et le soleil qui se couche tôt, c'est pas simple, hein. C'est ça, bah, c'est vrai que plus on approche de Noël, plus moins on voit la lumière du jour, quoi. Après, en été, c'est un peu rageant, parce que quand il fait chaud, on n'arrive pas forcément bien à dormir, et puis on voit pas grand-chose de ces journées, quoi. C'est pas faux, effectivement. Faut vraiment aimer son métier, alors. Est-ce que c'est le cas pour vous, Alexandre? Oui, je pense que sinon, je ne tiendrai pas. Oui, c'est vrai. On ne peut pas avoir des horaires décalés si on n'aime pas ce qu'on fait. Vous nous parliez de la période de Noël. C'est certes un peu plus de boulot, mais ça doit être passionnant et très gratifiant de se dire bah, voilà, qu'on fournit les bûches, qu'on fournit les petits biscuits alsaciens, effectivement, à tous ces gens qui sont en train d'en acheter en préparation des fêtes de fin d'année, non? Oui, bah, là, on y approche tout doucement. On est à 110 bûches de commandées, je crois, pour Noël. 110 bûches déjà? Ah oui, ça blague pas. Il y a déjà des gens qui commandent leurs bûches? Ah, il y a des gens qui viennent déjà fin octobre. Incroyable, ça. Ouais, les gens sont très prévus à l'avance chez vous. Vous allez arriver à combien de bûches, à votre avis, commandées? Bah, l'année dernière, on avait arrivé à 170 à peu près. Donc vous êtes déjà dans... Vous avez battu votre record déjà, quoi? Ouais. Et quelle est la bûche qui marche le mieux, qui fonctionne le mieux? Chez nous, c'est croustillant pistache chocolat. Pistache chocolat. Pistache chocolat, c'est vrai que c'est bon. Ouais, moi, j'aurais pas pris ça. Vous avez quoi d'autre en stock, Alexandre? Bah, après, on fait caramel. Après, on fait tout ce qui est bûche au beurre. Ah bah beurre, voilà, c'est pour moi, ça y est. Moi aussi. Et puis, sinon, après, il y a tout ce qui est mousse aux fruits. Ça c'est bien aussi. Fruits rouges, passion. Oh, vivement Noël, hein, quand même. Alexandre, dites-nous, qu'est-ce que vous faites là en ce moment à 4h54 exactement avec vos collègues? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Ben là, moi, je m'occupe de faire les baguettes. Oui. J'ai un collègue qui termine les derniers sablés confiture et puis la pâtissière qui s'attaque aux éclairs. Non, oh, mais ça y est, moi j'ai faim. Moi, c'est allez, après, c'est terminé. Bon, ben, franchement, c'est super. On est toujours ravis d'avoir des boulangers dans cette émission parce que ça nous met en appétit, parce que c'est vraiment un métier que tout le monde aime. Vous rendez tellement service, Alexandre, vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment un bonheur, votre métier. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage ce matin depuis Sarreguemines. Nous, on va vous envoyer bien entendu la montre RTL et... parce que vous êtes intervenu à l'antenne le bonjour. On vous envoie aussi la compile les hits RTL 2017, Alexandre. C'est plus de 40 tubes RTL et tous les auditeurs qui interviennent aujourd'hui au 3210 sur cette antenne vont le recevoir à la maison. Voilà, c'est notre joli cadeau de Noël, nous aussi un petit peu en avance. Bah, merci beaucoup. Allez-y, pour Alexandre. Marine, il fait 1 degré à Sarreguemines et puis c'est un peu couvert. Un peu couvert et 1 degré. Ouais, je crois qu'on est parti sur des températures basses et un ciel couvert jusqu'à mars. Il va falloir s'y faire. Mais non. Mais je suis pas pessimiste. Mais il y a du soleil dans nos cœurs. Fait. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Mais alors surtout dans le mien, plein. Merci Alexandre pour votre témoignage. C'était une jolie rencontre. Si comme Alexandre, vous voulez nous raconter votre métier, nous raconter votre région, vos passions, votre vie de lefto, un tantinet décalé comme la nôtre, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou alors vous allez cliquer sur la page Facebook RTL Petit Matin, c'est encore plus simple. Réveillez-vous avec Julien Cellier sur RTL. Le quintet en nocturne à Vincennes, Bernard Glace. Oui, c'est un quintet de trop, cette fois à Vincennes en nocturne, avec 18 concurrents derrière l'autostart. Ils sont donc 9 en première ligne et 9 en seconde. Je retiens en priorité Visizit le 2, Bipop Mélois l'As, Sté Alerte le 4, Cébella Park le 13, Emmett Brown le 8, Bipop au Fort le 3, Barian James le 7 et Global Response le 14. Visizit est un peu irrégulière, mais je la trouve bien engagée ce soir sur un parcours à sa convenance.
Elle est donc déférée pour l'occasion et son entraîneur de River, le Suédois Björn Goop, est cette fois à son sulky. On doit donc s'en méfier, je pense, dans cette deuxième épreuve de la soirée. Merci Bernard. Vos pronostics, bien entendu, on les retrouve sur onrefaitlescourses.fr et au 3210. Alors, juste avant votre météo, Marina, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Guy de Bouzbek, qui est l'un de nos vrais, vrais fidèles auditeurs, qui tous les matins, qu'il pleuve, qu'il vente, nous envoie la météo dans son petit coin près de Lille, à 20 km au nord de Lille, à Bouzbek, où il fait 7 degrés ce matin, avec un ciel nuageux. Et toujours de la grisaille, nous dit-il. Mais on lui souhaite en tout cas un très très joyeux anniversaire. Et puis pour lui, j'ai une bonne nouvelle, le soleil va revenir. Mais oui, c'est nuageux ce matin, mais sur les Hauts-de-France, il fera beau ce matin. Mais oui, oui, c'est si la je vous dis que c'est finie. Mon anniversaire, ça fonctionne aussi. Je verrai. C'est fin décembre, c'est En même temps, en Bretagne, il fait toujours beau. Oui, bien sûr, évidemment. Sauf aujourd'hui. 4 degrés à Saint-Aignan, c'est Bibi66 qui nous envoie l'info. Saint-Aignan, c'est dans le Loir-et-Cher. Nous avons un ciel étoilé en revanche à Lodève avec 10 degrés SMS de Christelle. Et puis nous avons beaucoup, beaucoup de brouillard. Soyez prudents sur l'axe Angers-Rennes. C'est Fabrice qui nous envoie l'info. C'est vrai que les brouillards sont encore une fois bien présents ce matin et parfois denses. Alors une fois que ces brouillards vont se dissiper, la matinée sera ensoleillée sur une grosse moitié sud. Ça va jusqu'au sud de la Loire en allant vers le sud de la Franche-Comté. Et puis on aura du soleil qui va revenir vers les Hauts-de-France. En revanche, entre les deux, c'est nuageux sur le reste de la moitié nord avec quand même des petites gouttes et donc ces brouillards. Cet après-midi, le soleil qui est sur les Hauts-de-France va un petit peu s'étendre. Il va s'étendre au nord de la Normandie, au nord de la région parisienne et aux Ardennes. En revanche, ça restera assez nuageux, même si on peut avoir quelques trous. Mais enfin, ce sont les nuages qui vont dominer au sud de la Normandie, au sud de l'Île-de-France, en Bretagne, vers les Pays de la Loire, sauf sur la Vendée où il fera beau. Ce sera nuageux aussi sur le centre-Val de Loire, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, sauf sur le Jura qui conservera du soleil. Et puis pour les autres régions, donc la moitié sud du pays, ça restera ensoleillé avec un peu de mistral et de tramontane. Merci Marina, on vous souhaite une bonne fête si vous vous appelez Elisabeth, c'est la fête d'Elisabeth aujourd'hui. On souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 17 novembre, comme Sophie Marceau qui a 51 ans aujourd'hui, comme l'auteur franco-belge Diane Ducret qui a 35 ans, comme Monsieur Scorsese qui en a 75. Le 17 novembre, c'était aussi l'anniversaire de Jeff Buckley. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. Et puis le 17 novembre, c'est aussi l'anniversaire de Isaac Hanson. Il a 34 ans. Vous vous souvenez des frères Hanson, Isaac, Taylor et Zach? Tout à fait, souvenez-vous. Oui, tout à fait. Très belle journée, vous écoutez RTL, on est le vendredi 17 novembre et il est 5h. Sur RTL lors de votre journal avec à la une deux flops. Le flop des manifestations contre la réforme du Code du Travail hier et le flop du débat chez La République En Marche hier soir diffusé sur Internet. Ce débat à suivre aussi Saad Hariri à Paris demain et la reprise de la Ligue 1 ce soir. Retour du foot à Amiens pour la première fois depuis l'effondrement d'une barrière contre Lille. De météo d'ici 5h30. Journée très agréable à Entrevaux dans les Alpes de Haute-Provence où le soleil brillera cet après-midi avec une température de 17 degrés. RTL Matin. Mais avant toute chose, tendez l'oreille, la grande misère de l'hôpital de Bastia. 7 infirmières ont entamé une grève de la faim fin octobre pour alerter sur la vétusté et les difficultés de l'établissement. Établissement qui commence à manquer de médicaments. Pourquoi ? Parce que les caisses sont vides et que les factures restent impayées, Marion Ferrer. Avec 50 millions d'euros de dettes, l'hôpital n'arrive plus à payer ses fournisseurs. Le personnel manque d'antibiotiques, de compresses, de pansements. Gilles Simeoni, ancien maire de Bastia, est à la tête du conseil de surveillance de l'établissement. Depuis le début de l'année 2016, les fournisseurs ne sont pas payés. Du coup, ont suspendu leurs prestations. Il s'agit simplement de combler les retards de paiement qui se sont accumulés
depuis près de 2 ans, de permettre aux fournisseurs de l'hôpital de reprendre leurs prestations qui sont indispensables à un fonctionnement normal de la structure. Et à ce déficit de matériel s'ajoute aussi la vétusté du bâtiment. On se retrouve souvent en situation extrêmement tendue. Ça a été le cas cet été où un certain nombre de patients qui devaient être opérés n'ont pas pu l'être, faute de disponibilité des blocs opératoires. Les grévistes réclament le versement d'urgence de 15 millions d'euros, de quoi relancer les commandes. Du côté du ministère de la Santé, on affirme connaître le problème. Agnès Buzyn se range cependant derrière son droit de réserve tant que les élections territoriales corses n'auront pas eu lieu. Le premier tour se tiendra le 3 décembre. Marion Ferrer pour RTL est dans un peu plus d'une heure. À 6h15, Josette Risterucci, l'une des grévistes de la faim de l'hôpital de Bastia, sera notre invitée. On attend justement vos témoignages au 3210. On sait que d'autres hôpitaux français sont aussi en difficulté. Pas forcément à ce point, mais vous, les patients, vous, les personnels, les médecins, ce matin, vous avez la parole sur cette antenne pour nous dire si effectivement certains de nos hôpitaux sont vétustes, s'il y a effectivement des factures impayées, et donc un manque de médicaments, de pansements parfois dans certains de nos hôpitaux. Est-ce qu'il y a en tout cas un manque de moyens, un manque de temps pour le personnel? Vous avez la parole ce matin, vous connaissez le numéro. C'est le 3210 pour intervenir sur RTL. Les manifestations contre la réforme du Code du travail n'attirent plus les foules. 80 000 participants d'après les autorités hier, entre 8 et 40 000 personnes notamment dans les rues de Paris à l'appel de la CGT. Son leader Philippe Martinez. Les mobilisations, vous savez, ça se mesure dans le temps. Il y a effectivement des journées qui sont moins bonnes que les autres en termes de mobilisation, mais le fait que dans les entreprises et les contacts qu'on peut avoir avec les salariés, moi ce que je vois, c'est que le mécontentement, il grandit. Vous voyez les sondages, on les regarde aussi, mais quand on croise les salariés, il n'y en a pas beaucoup qui saluent l'action de Macron en matière sociale. Donc il faut qu'on continue à bosser. En tout cas, la page n'est pas tournée, contrairement à ce que peut croire monsieur Macron et le gouvernement. Philippe Martinez de la CGT avec Christophe Ponzio pour RTL. Le flop du débat chez La République En Marche à la veille du congrès fondateur. 4 listes sont en lice pour le bureau exécutif. Elles se sont confrontées hier soir en direct sur Facebook. Les frustrations des militants sur le manque de démocratie interne se sont exprimées. Mais le rendez-vous a été suivi au plus fort de la soirée par 270 internautes seulement. Roselyne Bachelot condamnée à 500 euros d'amende et 10 000 euros de dommages d'intérêt. L'ex-ministre était jugé pour diffamation. Elle avait accusé le tennisman Rafael Nadal de dopage l'an passé. Le tireur de Libé face au juge. Le procès d'Abdelhakim Dekar se tiendra aujourd'hui. Il y a 4 ans, il avait fait irruption chez BFM TV avant d'ouvrir le feu. Quelques jours plus tard, chez Libération, un photographe avait été grièvement blessé. Dans une lettre, l'assaillant évoquait un complot fasciste. Il avait déjà été condamné dans les années 90, soupçonné d'être le troisième homme de l'affaire Florence Ray Audrey Maupin. Allez, une pause et ensuite l'avion est prêt. Saad Hariri sera demain à Paris. RTL Matin, Julien Cellier. Bon réveil avec RTL, 5h, passé de 5 minutes, la suite du journal. Saad Hariri arrivera demain en France. Le Premier ministre libanais sera reçu à l'Elysée. Il est pour l'heure toujours en Arabie Saoudite où Hariri a annoncé sa démission à la surprise générale il y a 2 semaines. Depuis, son pays estime qu'on lui a forcé la main, qu'il est captif. C'est dans ce contexte, Brice Dugény, que l'exil qui ne dit pas son nom est en train de se préparer. Oui, pour la première fois, il y a une certitude. Saad Hariri sera libre de ses mouvements pour venir en France et il sera reçu par celui qui lui offre cette porte de sortie, Emmanuel Macron. La réception à l'Elysée a été annoncée à l'issue de la visite du ministre français des Affaires étrangères en Arabie Saoudite. Jean-Yves Le Drian a passé 1h30 en tête-à-tête avec le prince saoudien Mohamed Ben Salman pour tenter de débloquer la situation. Au cœur de leur discussion, le cas Saad Hariri, mais plus largement l'influence des Iraniens au Liban et l'inquiétude des Saoudiens face à la montée en puissance de Téhéran dans la région, enjeu majeur dans la crise qui occupe actuellement la diplomatie française. L'arrivée en France de Saad Hariri met fin au blocage et devrait permettre quelques jours de calme afin d'envisager les options politiques de son retour au Liban. Une mission difficile, presque impossible, dans un pays et une région aux intérêts très divergents. À défaut de solution, le séjour de Saad Hariri en France pourrait être plus long que les quelques jours annoncés. Brice Dugény pour RTL. Robert Mugabe ne veut pas quitter le pouvoir au Zimbabwe. Le vieux despote a refusé hier, après un entretien avec les militaires qui le retiennent, des militaires putschistes depuis l'éviction du vice-président, un des leurs, ancien des
services secrets. Le sport maintenant à 5h07. Opération rachat, pas de changement dans le 15 de France. L'équipe qui défiera l'Afrique du Sud demain soir, eh bien ce sera la même que celle qui a débuté puis perdu face aux All Blacks il y a 6 jours. La reprise de la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL avec Lille, Saint-Etienne notamment à 19h. Des Verts qui n'ont plus joué depuis la raclée contre le voisin lyonnais 5-0 et qui ont changé d'entraîneur cette semaine. L'Espagnol Oscar Garcia a claqué la porte. Willy Maisonas, les supporters préfèrent en sourire. Écoutez, Jacqueline, elle garde encore le sourire. Cette fidèle supportrice a connu des heures plus glorieuses, mais aussi beaucoup plus sombres chez les Verts. Ah ben, on s'ennuie jamais, Louis Cyr. Saint-Etienne, on s'ennuie jamais. Puis alors, on s'endort le soir avec un entraîneur, on se réveille le matin, pouf, il n'y est plus. Oscar Garcia, le Catalan, qui a donc repris son indépendance. À la hussarde, persifle-t-on au club, alors qu'Antoine montre davantage d'indulgence. Il avait fait une liste de joueurs, il n'en a eu aucun. Cet hiver, on lui propose que Berić. Je peux comprendre qu'il claque la porte et qu'il n'ait plus envie d'entraîner ce club. Dans le viseur de Julien, d'ailleurs, comme pour l'immense majorité, en seul coupable, la direction stéphanoise. On voit que là encore, le système il a ses failles, il faut carrément tout revoir maintenant. Samir, en tout cas, avoue son ras-le-bol moins de 2 semaines après l'humiliant revers 5-0 dans le derby. Franchement, mérite pas ça, un grand club comme Saint-Etienne, c'est horrible à vivre pour nous. Alors, la nomination comme nouvel entraîneur d'un enfant du club, Julien Sablé, peut-elle enrayer la crise? Le scepticisme est là, mais le président Romeillet se dit sûr de son choix. Un beau choix, comme dirait Giscard d'Estaing, je crois, non? Willy Maisonas à Saint-Etienne pour RTL. À suivre aussi Amiens-Monaco, 20h45. Le stade de la Licorne rouvre pour la première fois depuis l'effondrement d'une barrière face au LOSC, que ce sera à vivre dans Soir de Ligue 1 sur RTL. L'histoire du jour maintenant, pour terminer avec vous, Jean-Alphonse Richard, c'est un plaisir. Nous partons en Bretagne, direction Guidel, Languidic, Unzazac-Locrist, commune du Morbihan, où il ne fait pas toujours bon partir en randonnée. Ne dites surtout pas que vous chaussez les crampons pour une balade bucolique. Vous risquerez de vous retrouver en short. C'est la mésaventure vécue par plusieurs marcheurs de la région. Le 27 septembre, les membres de la section randonnée de l'association Famille Rurale de Ploué rentrent de promenade à la Chapelle Saint-Michel. Sur le parking, 8 de leurs voitures ont été fracturées et simultanément 3 de leurs maisons ont été cambriolées. Même des confitures pour les adhérents du club d'Unzazac-Locrist. Tous victimes d'un gang de voleurs spécialisés dans la rando, des malfrats qui passent à la loupe les prévisions de sortie, les rendez-vous donnés sur les parkings. Le but de la balade attend que le groupe s'éloigne sur le sentier, puis passe à l'action efficace et redoutable. Ces cambrioleurs rupestres viennent même d'élargir leur champ d'action. Ils pistent désormais les amateurs de thé dansant. Même principe, recenser les rassemblements du dimanche après-midi, cibler les discothèques isolées et frapper à l'heure du boogie-woogie. Jean-Alphonse Richard pour RTL. Le temps maintenant avec vous, Marina. J'ai 2 fois 4 degrés, alors malheureusement ça fait pas 8. On a Flafla qui nous signale 4 degrés en Corrèze et on a Michel qui nous en signale 4 à Vouziers dans les Ardennes. Pour les températures cet après-midi, vous aurez 6 degrés à Strasbourg, il fera 10 degrés à Lyon mais aussi à Lille, 11 à Paris et jusqu'à 18 degrés à Toulon ou encore à Nice. Côté ciel, beaucoup de brouillard ce matin. Une fois cette grisaille matinale dissipée, le soleil finira par s'imposer sur les Hauts-de-France. Ciel bleu aussi sur une grosse moitié sud du pays, de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée. Du soleil aussi ce matin en Vendée, sur l'ouest de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura et le Doubs. Mais l'après-midi, il y aura un peu plus de passages nuageux. Et puis sur le reste de la moitié nord, eh bien là, la grisaille va résister. Donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, à la région parisienne, centre-Val de Loire, le nord des Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne, avec même quelques gouttes. Merci Marina, et puis vous gardez la main parce que c'est l'heure de la playlist, comme tous les jours après le journal de 5h. Bah oui, cherchez votre feuille, elle a perdu ses fiches. Pas du tout. C'est la dernière fois de la semaine que vous jouez au DJ Marina, donc profitez-en. Alors comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement rigolo, vous avez décidé que tout au long de la semaine, ce serait des titres avec un rapport avec la météo. Waouh, ouais. Wow, c'est tout original. Fait, c'est génial, hein. Et alors on écoute quoi ce matin? Don't let the sun go down on me. Vous l'avez bossé celle-là. Oui, ouais. Wow. J'ai progressé quand même par rapport à lundi, mais oui, je sais, merci. J'ai bossé, n'empêche. Alors, à la base, c'est une chanson d'Elton John, mais surtout, cette chanson, elle s'est fait connaître parce qu'elle a été chantée en duo avec George Michael. C'est la version que l'on va écouter. George Michael était en concert à Londres, en fait, en 1991, et Elton John l'a rejoint pour chanter cette chanson. Et sur scène, donc, voilà, c'est sur un live. Exactement. Et c'est ce live qui a cartonné beaucoup plus que la chanson originale, avec ce live qui a été numéro 1 des ventes et aux États-Unis et à Londres à l'époque. Bel effort. George et Elton ce matin sur RTL. RTL Matin.
Julien Cellier. 5h17, les infos à retenir en ce vendredi matin. Tout d'abord, Saad Hariri arrivera demain en France. Le Premier ministre libanais sera reçu à l'Elysée. Hier encore, Jean-Yves Le Drian était en Arabie Saoudite où Hariri a annoncé sa démission surprise il y a 2 semaines. Depuis, son pays estime qu'on lui a forcé la main. Le flop du débat chez La République En Marche à la veille du congrès fondateur. 4 listes sont en lice pour le bureau exécutif. Elles se sont confrontées hier soir en direct sur Facebook. Le rendez-vous a été suivi au plus fort de la soirée par seulement 270 internautes. Les manifestations contre la réforme du Code du travail n'attirent plus les foules. 80 000 participants d'après les autorités hier, entre 8 et 40 000 personnes, notamment dans les rues de Paris. Et puis la reprise de la Ligue 1, Lille-Saint-Etienne à 19h, Amiens-Monaco 20h45 sur RTL, le stade de la Licorne qui rouvre pour la première fois depuis l'effondrement d'une barrière face au LOSC. Allez, on ouvre les journaux et c'est à lire ce matin dans l'Opinion, Olivia, ces chiffres que la SNCF ne vous montrera peut-être jamais. Une étude inédite de l'autorité indépendante de régulation des transports en France vient d'être dévoilée après un an de travail. Cela concerne aussi le Thalys et Eurostar. 2 choses à retenir pour la SNCF. La première, c'est qu'un retard sur 2 pourrait être évité. C'est pas facile à comprendre, il y a plein de chiffres, mais écoutez bien, sur les 6000 trains qui circulent en moyenne chaque jour, 11% sont en retard. Considère que lorsque vous avez 6 minutes de retard, eh bien, c'est considéré comme un retard. L'organisme souligne que les phénomènes à l'origine des premières minutes sont, je cite, « maîtrisables par le gestionnaire du réseau ». On ne parle donc pas d'un animal mort sur les rails. Ce que l'on apprend aussi, c'est que le réseau français est le 2e d'Europe, mais que quasiment tous les trains utilisent seulement un quart du réseau. Enfin, en TGV, on va loin, dit l'Opinion, mais l'étude nous rappelle que chaque année, 90% des passagers utilisent le train du quotidien. Le TER, le Transilien, c'est donc peut-être sur ces lignes-là qu'il faut améliorer le service. C'est à lire dans l'Opinion. Merci Olivia et on vous retrouve dans 11 minutes pour votre journal de 5h30. À tout à l'heure. Un témoignage, un avis. Venez le partager sur RTL. 3210. En attendant, vous avez la parole au 3210. Tiens, je vous redonne ce rendez-vous dans un peu moins d'une heure maintenant à 6h15. Nous serons en ligne avec l'une des grévistes de la faim de l'hôpital de Bastia, des infirmières en grève de la faim pour alerter sur la situation de leur établissement. Qui a une dette abyssale et la conséquence c'est que les fournisseurs refusent maintenant de livrer des compresses ou des médicaments. On parle plus globalement de la gestion des hôpitaux publics et de la grande misère de certains établissements avec vous au 3210. Et c'est une fidèle auditrice complètement concernée par ce sujet, Claire, directrice de clinique dans les Bouches-du-Rhône qui nous a appelé. Bonjour Claire. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Vous, avant d'être directrice de clinique, vous étiez dans le public. Dans la fonction publique hospitalière. Vous connaissez bien le sujet. Fonction publique hospitalière, exactement. Donc je connais les deux. Alors, je ne vais pas opposer public-privé, ce n'est pas le but là, de l'intervention. Non, bien entendu, mais c'est plutôt votre vécu et votre témoignage qu'on attend ce matin. Moi, je pense que pendant très longtemps, les hôpitaux ont bénéficié d'énormément de largesses et surtout... n'ont jamais dû à rendre des comptes et l'État providentiel, entre autres la Sécurité sociale, continuait toujours à financer. Ce monde-là est fini et il a fallu qu'ils se réforment. Il faut qu'ils se réforment. Le problème, c'est que c'est très, très, très difficile de réformer quand quelque chose d'aussi lourd. Mmh. En plus, le pouvoir dans les hôpitaux publics avec les maires qui sont présidents, les maires, plus les maires maintenant, mais qui sont présidents des conseils d'administration, c'est souvent les premiers employeurs de la ville. Mmh. Ça a des conséquences terribles. Et on a vécu beaucoup trop avec des moyens, mais démesurés. Moi, si je me rajeunis de 30 ans et je vois dans quelles conditions on pouvait travailler... C'était extraordinaire, voire du gaspillage. Et maintenant, bien sûr, comme tout le monde, faut faire attention. Les hôpitaux aussi. Et il y a beaucoup plus de difficultés. Et la seule façon qu'a trouvé un certain nombre de gouvernements, quel que soit de gauche et de droite, c'est de diminuer les moyens. Mais il y a aussi toute la culture. Il y a aussi, comment je vais vous dire, il y a la façon de penser le soin, la façon de penser. Les processus de soins, il faut pas revoir simplement les comptes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais oui, parce que effectivement, faut revoir les comptes, c'est certain. Quand on fait des études, alors là, je vais peut-être reprendre une petite casquette un peu militante, mais quand on fait des études, on dit pour un même patient dans le public, dans le privé soigne pour moins cher. Ça veut dire que donc le privé soigne correctement son patient, comme dans le public, parce qu'on soigne aussi bien, mais on arrive à soigner pour moins cher.
moi, ça pose des questions. Mais je comprends tous mes collègues du public qui ont eu la chance pendant des années de pouvoir vivre au-dessus de leurs moyens sans qu'on leur dise, sans qu'ils aient de problème. Quand vous avez... moi, quand je vois, si moi, à la fin du mois, là, je peux pas payer mes salariés, là, à la clinique, bon, d'abord, ça fiche le cirque, et puis moi, le banquier va m'alerter et tout, ça va pas l'aller. À l'hôpital, ils ont des rallonges. Ce qui explique la dette, par exemple, de l'hôpital de Bastia, qui est abyssale et qui est aujourd'hui à 50 millions d'euros et qui pose un problème clair, c'est que maintenant, les fournisseurs, ils ne veulent plus fournir les médicaments. Merci pour votre témoignage, Claire. Je suis désolé de vous couper. Allez-y. Félicitations, et j'attends la playlist d'Arthur. Merci beaucoup, Claire. Merci, on est ravis en tout cas de nos audiences. Et si on a de telles audiences, c'est grâce à vous, Claire, grâce à tous les auditeurs qui tous les jours nous écoutent, qui interviennent à l'antenne, qui permettent d'enrichir le débat sur l'actualité chaque matin. On est ravis en tout cas de vous réveiller aussi nombreux et toujours plus nombreux tous les matins. Merci beaucoup Claire. Et la playlist d'Arthur, bien entendu, il en aura une playlist d'Arthur. Tu as envie de passer des disques, Arthur? Eh bah ok, on va jouer au DJ tous ensemble. Il aura sa semaine lui aussi, Arthur, bien entendu. Il va rentrer dans le roulement. On marque une pause sur RTL et ensuite Un jour en France. On va vous parler ce matin de Noël. Et oui, on y est presque. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin avec Julien Cellier. Il est 5h24, nous sommes le 17 novembre et c'est déjà un peu Noël. Donc dans Un jour en France, vous le savez, on aime mettre en valeur chaque matin des histoires positives. Eh bien, on part en Alsace ce matin, où en 1521, on trouvait déjà la première trace d'une existence, et mondiale, d'un sapin de Noël. Eh bien, 5 siècles plus tard, c'est toujours l'effervescence chez les producteurs des célèbres arbres verts. Yannick Collant, vous êtes à Bourbruche ce matin dans le Bas-Rhin, et c'est le rush. Depuis le début du mois, Christian Leuve ne peut pas vraiment quitter sa tronçonneuse. Dans sa sapinière, les commandes n'arrêtent pas de tomber pour Noël. Un 4 mètres et 5 de 2 mètres. Oui, ça c'est un 4 mètres. Voilà, il est vert foncé, pas hyper touffu. Avec ça, ils vont être trop contents. Traditionnellement, ce sont d'abord les communes qui commandent bien à l'avance, jusqu'à 12 mètres de haut, puis les associations, entre 3 et 4 mètres, et puis, à partir de fin novembre, les particuliers, jusqu'à la dernière seconde. L'année dernière, j'ai fait jusqu'au 23 à midi. Et il y a des années, il y a déjà des personnes qui ont pris jusqu'au 24 à 17h. Et la star de Noël, c'est le sapin Nordman. Il a cette forme généreuse, eh bien, on le retrouve dans aucune autre espèce. Maintenant, il y a des nostalgiques du sapin Noël d'antan qui sent bon. Eh bien, cet arbre-là, donc, il va perdre des aiguilles, mais il y a des personnes, ils veulent que ça, mais on en trouve difficilement. Alors, j'ai en remplacement une espèce qui vient du Canada. C'est le géant de Vancouver. Je vais vous le faire sentir. Ah oui. Il sent vraiment la forêt dans le salon. Et pour encore un peu plus de féerie, Christian Leuve ouvre désormais sa sapinière aux familles qui peuvent ainsi venir choisir et scier elles-mêmes leur sapin de Noël. Un jour en France, Yannick Collant en Alsace pour RTL. Ça, c'est pas vraiment la musique des grosses têtes, c'est surtout la musique de l'arrivée de Caroline. L'arrivée de Caroline Alexis en studio dans les petits matins. Bonjour Caroline. C'est vrai, merci beaucoup. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour tout le monde. Bon, on va encore rire cet après-midi. Entre 16h et 18h, avec les grosses têtes et Laurent Ruquier. Attention, attachez vos ceinturons d'école avec notre steward préféré Jean-Phi et ses aventures. Vous avez déjà été détourné au niveau des destinations, monsieur Janssen? Dérouté, pas détourné, parce que détourné, ça serait un détournement. Mais non, on a été dérouté parce qu'on avait un problème médical à bord, donc on va se poser sur le premier aéroport. C'était quoi le problème médical? Une crise cardiaque. Ça m'est arrivé, moi. Nous, on était là, on faisait avec le défibrillateur et puis machin. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on nous apprend à nous servir du défibrillateur en cas de problème comme ça. Sauf qu'on nous dit qu'il faut isoler le patient et le mettre à un endroit où il n'y a pas de fer, tout ça, machin. T'as déjà vu un avion, il y a du fer partout, tout machin. Parce que du coup, t'emmènes le corps comme ça pour le défibriller. Mais il y a des barres en fer partout. Alors, tu défibrilles et puis tu dis, j'ai électrocuté tout le premier rang. Rendez-vous cet après-midi avec Roselyne Bachelot, Laurent Baffy, Stevie, Laurent Ruquier à 16h sur RTL. Tiens, juste avant la météo de Marina, qui est encore bien fraîche ce matin, on va s'intéresser aux astres. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 17 novembre, on embrasse les Élisabeth, un prénom royal, comme Martichoux. C'est aussi la Sainte Élise. Et on fait un bisou aussi à Christine Haas pour l'horoscope. Bonjour Christine. Bonjour Caroline, et bonjour à tous.
Scorpion, une rencontre Lune-Vénus aujourd'hui dans votre deuxième décan. Vous serez très réceptif, branché sur les autres et en même temps vous aurez plein d'amour à donner. Sagittaire, vous semblerez lointain, indifférent, mais vous serez probablement absorbé par une affaire de cœur, deuxième décan. L'autre prend beaucoup de place dans votre vie. Capricorne, vous serez sensible à la rencontre Lune-Vénus qui se fait dans votre secteur d'amitié et de solidarité. Vous êtes pragmatique, s'il y a une aide à apporter, bien vous le ferez. Verseau, vous pourriez croiser votre boss dans un couloir et il ou elle ne manquera pas de vous féliciter pour la qualité de votre travail. Toujours agréable, n'est-ce pas ? Poissons, aujourd'hui, ce sont ceux du mois de mars qui auront un peu de magie dans leur vie et s'il n'y en a pas assez, ils pourront en rajouter une petite touche personnelle. Bélier, ça ne doit pas être facile en ce moment à cause d'une dissonance Mars-Pluton qui peut vous bloquer, plus ou moins, mais le deuxième décan empathie plus que les autres. Taureau, Lune et Vénus agiront comme un adoucissant sur vos relations et même si vous restez un tantinet rigide, deuxième décan, vous serez un peu plus accommodé. Gémeaux, Mercure et Mars sont parfaitement alignés et si vous êtes du deuxième décan, une discussion un peu musclée est à prévoir, mais vous aurez le dessus. Cancer, le deuxième décan est en passe de récupérer les bons influx du premier et ils seront encore meilleurs pour tout vous dire. Le ciel indique un bel épanouissement sentimental. Lion, ambiance familiale aujourd'hui pour le deuxième décan, mais probablement pas qu'à la maison. Au travail aussi, il y aura un climat bon enfant, peut-être une petite fête. Vierge, Lune et Vénus vont égayer votre journée, tout ce que vous ferez sera agréable et nourrira votre curiosité, votre envie d'apprendre, déjà bien sollicité par Jupiter. Balance, une manne financière pourrait commencer à vous tomber dessus, deuxième décan, mais vous pouvez aussi être trop dépensier. Allez, bonne journée. Bonne journée, retrouvez Christine Haas chaque semaine dans TV Magazine et en appelant le 3210. Le temps, Marina, oui, c'est frais, mais c'est moins frais que les jours précédents. Les gelées sont un petit peu moins fortes qu'hier, en fait. On a, par exemple, moins 1 degré, là, en ce moment, à Clermont-Ferrand, 0 à Toulouse, 2 degrés à Lyon, 8 à Lille, 15 à Perpignan. Pour cet après-midi, pareil, on peut gagner quelques degrés, même fortement, notamment à Lyon. À Lyon, hier, il faisait 2 degrés, on en aura 10 aujourd'hui. 10, ce sera aussi la température à Lille et à Bourges. 11 à Paris, 12 à Cherbourg, 14 à Bordeaux, 16 à Marseille et 19 à Perpignan. Petite température à Strasbourg, 6 degrés, mais c'est quand même 4 degrés de plus qu'hier. Côté ciel, beaucoup de brumes et de brouillards, encore une fois. Alors ces brouillards laisseront place au soleil sur la moitié sud du pays et sur les Hauts-de-France aussi. Vous allez retrouver du soleil en cours de journée. En revanche, sur le reste de la moitié nord, ça va rester nuageux avec des petites averses, même par endroits. Donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, à la région parisienne, au centre Val-de-Loire, en allant vers la Normandie et la Bretagne, il y aura quand même des éclaircies sur le Jura et la Vendée. Puis pour le soleil présent en Auvergne, il y aura un peu plus de passages nuageux cet après-midi, et un petit peu de mistral et de tramontane aussi, entre 60 et 80 km par heure. Merci Marina, bon courage à tous, bonne journée, bon réveil, 5h30 sur RTL. Le journal avec Olivia Loret. Olivia, la grande roue de Paris rouvre cet après-midi à la Concorde, peut-être pour la dernière fois. Après s'être fait supprimer son marché de Noël, Marcel Campion pourrait voir sa grande roue définitivement bannie de cette place prestigieuse en 2018. De 8 à 40 000 personnes hier dans les rues de Paris, contre les réformes du gouvernement. Pour éviter cette guerre des chiffres, une société teste une nouvelle méthode pour être plus précis. On va vous expliquer. Saad Hariri arrivera en France demain, le Premier ministre libanais démissionnaire n'a pas donné de date de retour à Beyrouth. Et puis à la fin de ce journal, le stade de la Licorne retrouve son équipe d'Amiens ce soir, un mois et demi après l'effondrement d'une barrière dans les tribunes. Deux fois le temps d'ici 6 heures. 15 degrés sous un ciel bleu, c'est le temps prévu cet après-midi à Parentis sans borne dans les Landes. RTL Matin. Pour la première fois depuis 2008, il n'y aura donc définitivement pas de marché de Noël sur les Champs-Élysées cette année. La justice a rejeté le recours de Marcel Campion et a donc donné raison à la mairie de Paris. La ville s'est aussitôt réjouie. Plus que jamais, cette ordonnance appelle à ne pas céder au chantage et à la menace. Je cite, mais la bataille Campion-mairie de Paris n'est pas finie puisque la grande roue du roi des forains rouvre cet après-midi place de la Concorde alors que le conseil de la ville doit voter mercredi sa non-reconduction pour 2018, Sinamir. Après les
stands du marché de Noël jugés de mauvaise qualité, la mairie de Paris trouve la grande roue de Marcel Campion dépassée. Aucun lien entre les deux pour Anne Hidalgo et Bruno Julliard, son premier adjoint. Et pourtant, dès la semaine prochaine en Conseil de Paris, c'est bien une nouvelle bataille avec les forains qui s'annonce autour de la place de la Concorde. Bruno Julliard. Le jardin des Tuileries, la pyramide du Louvre et l'Arc de Triomphe nous conduit à privilégier de ne rien positionner sur la place de la Concorde. En revanche, imaginez un autre type d'attraction, pourquoi pas une grande roue comme il en existe des beaucoup plus belles. Nous sommes prêts à y réfléchir. Personne ne peut s'imposer, fut-il Marcel Campion, dans l'espace public parisien. Une chasse aux forains ciblée pour Marcel Campion, déjà bien décidé à traîner la mairie devant le Conseil d'État concernant son marché de Noël. L'autoproclamé roi des forains était hier l'invité d'RTL Soir. Il faut savoir que depuis quelques années, il y a plusieurs maires de Paris qui ont perdu des procédures contre les forains. Je pense qu'il y a une histoire d'intérêt quelque part, mais ça sortira. Pour ne pas multiplier les fronts, la foire du trône menacée de perdre la moitié de son emplacement ne sera pas à l'ordre du jour du prochain Conseil de Paris, mais le dossier reste sur la table. Entre la mairie et les forains, la guerre des boulons est loin d'être finie. Sinamir. Plus de deux semaines après la mort d'Alexia Daval en Haute-Saône, son mari vient de se constituer partie civile. Conséquence, Jonathan Daval aura accès au dossier d'enquête. Le meurtre de son épouse n'est toujours pas élucidé. À la une également, ce matin, beaucoup moins de monde dans la rue contre les réformes d'Emmanuel Macron. Pour la quatrième journée, les syndicats n'ont pas réussi à rassembler plus de 80 000 personnes selon les chiffres de l'intérieur. Bien moins que lors de la première mobilisation du 12 septembre dernier. Les manifestants étaient 8 000 à Paris selon la préfecture, 40 000 selon la CGT. Cette guerre des chiffres, on y a droit à chaque fois. Alors pour être plus précis, une société spécialisée a décidé de tester une nouvelle méthode de comptage, Caroline N. Nous sommes au troisième étage d'une chambre d'hôtel donnant directement sur la manifestation. Aux fenêtres sont installées deux caméras. Derrière, deux personnes devant leur ordinateur vont compter. Sur leur écran, le cortège défile. En plein milieu, une ligne virtuelle est tracée. Jocelyn Munoz, du cabinet Occurrence, nous explique le fonctionnement. Concrètement, on voit le cortège qui avance. Dès lors qu'il dépasse la ligne, il y a plein de flèches vertes un peu dans tous les sens pour signaler que le capteur a compté une personne. Et à chaque fois que quelqu'un traverse cette ligne, le capteur considère qu'une personne est passée. Pour éviter au mieux les erreurs, 4 séquences de 30 secondes vont être revues et recomptées manuellement. En fait, on calcule la différence entre ce qu'a compté le capteur et ce que nous avons compté à la main. Et comme ça, on est capable de déterminer la marge d'erreur. Voilà, et donc d'appliquer le correctif nécessaire. Les derniers manifestants franchissent la ligne. Il est l'heure des comptes. Après 15 minutes, le résultat tombe. On a donc compté 8256,6 manifestants. On peut dire grosso modo 8250. Un chiffre quasi identique à celui de la préfecture de police. La CGT, quant à elle, a revendiqué 40 000 manifestants, soit 5 fois plus. Reportage RTL, Caroline N. De grosses perturbations à prévoir aujourd'hui dans les transports en commun si vous êtes à Marseille. Une grève est prévue suite au licenciement d'un conducteur qui avait provoqué un accident cet été. Toutes les lignes, le tram, le métro ou le bus seront impactées. Saad Hariri est attendu demain à Paris. Le Premier ministre libanais démissionnaire a accepté l'invitation lancée par Emmanuel Macron. Il passera quelques jours en France. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, en visite à Riyad pour finaliser le dossier qu'il a annoncé. Aucune date de retour à Beyrouth n'a en revanche été communiqué pour Hariri. Une pause et dans un instant, on part à Strasbourg. Le plastique, c'est terminé dans les cantines de vos enfants. RTL Matin, Julien Cellier. Allez, bon réveil, il est 5h37, la suite du journal. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, l'Europe se mettait d'accord sur les perturbateurs endocriniens et ce n'est pas assez pour certaines villes de France. L'objectif de cette définition commune, une meilleure réglementation devant le risque de cette substance de modifier le système hormonal. Mais pour Grande-Synthe, Limoges ou encore Strasbourg où nous partons, il faut aller plus vite. Du coup, dans la ville, Yann Nicolan, on a par exemple décidé d'abandonner les barquettes plastiques à la cantine. Du brocoli, du poisson, des pommes de terre. Un menu qui ne sort plus d'une barquette plastique réchauffée dans cette école de Strasbourg, mais d'un plat en inox pour éviter la contamination possible par des perturbateurs endocriniens. Roland Ries, le maire de Strasbourg. Les chercheurs ont considéré qu'il y avait un risque avec les barquettes en plastique, avec des interférences entre les molécules du plastique et les aliments pour les enfants. Cela représente également des milliers de déchets plastiques en moins chaque jour, mais repasser au tout inox, cela veut dire des plats plus lourds qu'il faut laver, donc plus de travail pour les cantinières comme Rachida et Ondési. On gratte toute la journée, on n'a pas fini. On le frotte,
Surtout quand il y a des gratins, il faut plus se tremper, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai, pour tout ce qui concerne la santé, l'inox, c'est meilleur pour les enfants. C'est plus de boulot pour vous, mais c'est mieux pour la santé. Oui, je pense. Et c'est important. La ville de Strasbourg a prévu 4 ans pour abandonner totalement le plastique dans les 114 écoles de la ville. Reportage Yannick Holland. Le football fait son retour au stade de la Licorne à Amiens ce soir. En ouverture de la 13e journée, Monaco se déplace en Picardie, un mois et demi après l'effondrement d'une barrière de la tribune visiteur. Ce soir, au coup d'envoi, 20h45, Alain G, président d'Amiens Métropole et propriétaire du stade, veut tourner la page. Et ce que nous avons décidé de faire, c'est deux choses. C'est d'abord de changer radicalement les garde-corps et puis renforcer tous les mètres, le barriérage installé depuis 1999. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la fin du cauchemar. On va rejouer au football au stade de la Licorne et qu'à la fin de la saison, contrairement à ce que j'ai pu lire parfois, entendre dans la bouche de certains qui ne sont jamais venus ici, eh bien, le stade y sera à l'état neuf. Le président d'Amiens Métropole avec Maxime Wolf. Le match est à suivre dans Soir de Ligue 1 sur RTL. Auparavant, Lille reçoit Saint-Etienne, c'est à 19h. Merci beaucoup Olivia pour votre journal et vous revenez pour votre coup de cœur. Dans quelques instants, ce sera quoi? On va partir en Grande-Bretagne pour retrouver la mémoire. Mais avec grand plaisir. Allez, le temps maintenant avec vous, Marina. Tiens, on a 3 degrés dans l'Est à Saint-Saïm pour Marc. On a 1 degré à Vichy, bon, ça se réchauffe, mais tout doucement dans certaines régions. Exactement, on prend quelques degrés. Bon, cet après-midi, ce sera juste au-dessus des moyennes de saison pour la Méditerranée. Ailleurs, dans les moyennes de saison, un petit peu frais pour le Nord-Est, puisque l'on aura seulement 6 degrés à Strasbourg et Mulhouse, 10 à Lille, 11 à Paris, 11 aussi à Limoges et à Nantes. Il fera 13 à Brest et à La Rochelle, 14 degrés à Bordeaux, 16 à Marseille et 18 degrés à Montpellier. Côté ciel, sur la moitié nord du pays, on a une petite perturbation qui donne un ciel couvert. Quelques gouttes aussi, et puis toujours des brumes et des brouillards par endroits. En gros, de la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, région parisienne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté. Il y aura quand même des éclaircies sur le Jura, puis de la Vendée à l'ouest de la Bretagne cet après-midi. Ça ira mieux. Et puis sur les Hauts-de-France, le soleil va s'imposer. En cours d'après-midi, ça fera du beau sur les Hauts-de-France. Et pour les autres régions, donc la moitié sud du pays, peu de changements par rapport à hier. Un peu plus de soleil, même pour certains. Du soleil de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées. Avec toujours un petit peu de mistral et de tramontane. Merci beaucoup. Marina, on joue maintenant? Ah oui! Vous avez vu ça? C'est pas fin en plus. C'est spontané. Elle travaille son anglais et son jeu d'acteur. Quel enthousiasme. Oui, je pense qu'elle va bientôt tourner dans des séries aux États-Unis. On vous offre ce matin... Je n'ai pas envie de vous quitter. Non, vous préférez oui. Une correspondante à Hollywood, ça peut être pas mal, non? Oui, ça peut être pas mal. Puis la météo sera un peu plus chaude en plus. C'est clair. Hein, pourquoi pas? Allez, on joue pour gagner ce matin un DVD, le DVD de Michael Gregorio, qui en décembre 2016, avec son équipe, a fêté ses 10 ans de scène à Bercy. Eh bien, ce spectacle, il a été filmé, il sort maintenant en DVD et vous pouvez le gagner en appelant RTL au 3210. Là, maintenant, les deux plus rapides remporteront chacun un DVD. On vous souhaite bonne chance et on vous dit à dans 30 secondes. On va partir à New York et avec Philippe Corbet, notre correspondant pour Un Air d'Amérique, on va vous parler d'une hôtesse de l'air ce matin. RTL Matin avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Comme tous les matins, nous traversons avec plaisir l'Atlantique pour retrouver notre correspondant à New York, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Avec ce matin, Philippe, l'histoire de l'hôtesse de l'air la plus expérimentée du monde. Oui, la compagnie American Airlines vient d'offrir une paire de boucles d'oreilles en diamant d'un grand joaillier à l'une de ses employées, Betty Nash, qui célèbre son jubilé de diamant dans l'entreprise puisqu'elle y est employée depuis 1957. Elle avait 22 ans à l'époque, elle en a presque 80 aujourd'hui, et elle continue à voler plusieurs fois par semaine sur des liaisons entre Boston et Washington. Vous connaissez la chanson de Dutronc, hein, j'ai rêvé toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Mais c'est exactement cela. Betty en avait rêvé, elle avait été fascinée enfant par l'essor de l'aviation commerciale, et quand elle a pris son premier vol en 1951 comme passagère, elle a observé des hôtesses de l'air et elle s'est dit ça, c'est pour moi. Et même octogénaire, là, elle n'en a pas assez? Ah non, elle pourrait s'arrêter, profiter de sa retraite, mais c'est pas le problème. Quand on l'écoute, elle explique que son métier, ce n'est pas de servir des cafés et des petits gâteaux, c'est d'abord le contact avec les passagers. Elle a un mot pour chacun quand ils montent dans l'avion. Elle prend le temps d'aller les voir ensuite, discuter. Et comme elle est toujours sur la même ligne, Washington-Boston depuis des années, avec des clients réguliers, eh bien elle les reconnaît. Ils s'embrassent quand ils montent à bord et elle leur demande comment va votre femme, comment va votre fils. C'est ce qui plaît à Betty dans ce métier, le contact. Elle défend aussi une qualité
de service, d'accueil qu'elle a connu dans les années 50-60. Aujourd'hui, sur les compagnies aériennes américaines, l'accueil est moins soigné. Par exemple, Betty a toujours, elle met toujours un point d'honneur à avoir être bien coiffée, un chignon élégant, une tenue nickel. C'est pas toujours le cas quand on vole sur les compagnies américaines. Oui, parce que le transport aérien, et notamment aux États-Unis, il a beaucoup, beaucoup changé en 60 ans. Ah oui, elle raconte qu'à l'époque, les programmes de vol étaient tracés à la craie sur un tableau noir. Aujourd'hui, tout est électronique. Tout était écrit à l'époque sur papier à bord. Aujourd'hui, elle travaille avec une tablette et un iPhone. Prendre un vol, c'était comme déjeuner dans un grand restaurant ou patienter dans le fauteuil d'un salon d'un grand hôtel. C'était plus sophistiqué et souvent réservé à une certaine élite. Aujourd'hui, particulièrement ici aux États-Unis où le pays est grand, on monte dans un avion comme dans un bus. Betty a connu l'époque des gants blancs. Tout ça, c'est terminé. Mais elle raconte qu'à l'époque, ses patrons la jugeaient essentiellement sur son apparence, la coupe de cheveux, le maquillage. Tout était très strict. La ligne aussi, elle était sans cesse pesée, car il était interdit de prendre du poids. Ouais. Et comme dit Betty, pour définir son travail, cet accueil, cette attention qu'elle prend soin d'apporter à chaque passager aujourd'hui, everybody needs a little love. Tout le monde a besoin d'un peu d'amour. Merci beaucoup, Philippe Corbet. On vous retrouve lundi, bien entendu, même heure, même endroit, à New York, et nous, ici, rue Bayard, à RTL. RTL Matin. Julien Cellier. Bienvenue si vous nous rejoignez. On vous souhaite un très bon réveil. Bon courage en ce vendredi, en cette fin de semaine. Il est 5h45 là et je vais vous rappeler maintenant les principaux titres de l'actualité. Tout d'abord, Saad Hariri est presque dans l'avion. Il arrivera en France demain. Le Premier ministre libanais sera reçu à l'Elysée. Hier encore, Jean-Yves Le Drian était en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite où Hariri a annoncé sa démission surprise il y a 2 semaines. Depuis, son pays estime qu'on lui a forcé la main. Robert Mugabe ne veut pas quitter le pouvoir au Zimbabwe. Le vieux despote l'a refusé hier après un entretien avec les militaires putschistes qui le retiennent. Les manifestations contre la réforme du code du travail, elles n'attirent plus les foules. 80 000 participants en France d'après les autorités hier, entre 8 et 40 000 notamment personnes dans les rues de Paris. Et puis la reprise de la Ligue 1, Lille Saint-Etienne 19h, Amiens-Monaco 20h45 sur RTL, le stade de la Licorne qui retrouve le foot pour la première fois depuis l'effondrement d'une barrière face au LOSC. Allez, comme tous les matins, Olivia s'empare d'une actualité, c'est son coup de cœur, vous nous emmenez en Grande-Bretagne. Oui, en Grande-Bretagne, pour raconter l'histoire d'Aman. Aman, elle a 10 ans, c'est une petite fille qui a des problèmes de mémoire à court terme depuis un accident de voiture il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle essaye d'avoir la vie normale d'un enfant de son âge, mais tout n'est pas simple. À l'école, par exemple, alors qu'elle était bonne élève, elle n'arrive plus à retenir quoi que ce soit, il lui faut une assistante. Et avec ses amis, dur de se rappeler des jeux appris dans la cour, par exemple. Touchée par cette histoire, Ayana, une informaticienne, décide d'aider Aman pour qu'elle puisse mieux gérer ses souvenirs. Après des semaines de travail, elle a mis en place un prototype simple sur une tablette. C'est une application reliée à un micro. Ce micro s'accroche aux vêtements de l'enseignante et l'appli retranscrit en texte tout ce qu'elle dit. Comme ça, Aman peut réécouter le cours autant qu'elle veut chez elle et le relire aussi. À la maison, le papa, la maman d'Aman peuvent également ajouter dans l'application des photos ou des vidéos de la famille, raconter leur vie, leurs vacances, pour qu'Aman garde toujours une trace de ce qui vient de se passer. C'est une très jolie histoire, une belle initiative. Merci pour ce coup de cœur, Olivia. Votre avis compte, venez l'exprimer sur RTL. Au 32-10. Tiens, je vous redonne ce rendez-vous, ce sera dans moins d'une demi-heure maintenant sur RTL à 6h15. Nous serons en ligne avec notre invitée, elle s'appelle Josette Risterucci. Elle est secrétaire médicale à l'hôpital de Bastia et avec 6 autres employés, fin octobre, elle a entamé une grève de la faim pour alerter sur la grande misère de l'hôpital de Bastia qui a une dette abyssale. Les fournisseurs refusent de livrer des compresses, des médicaments. Bref, c'est la grande misère de l'hôpital Corse, on en parlera dans une demi-heure et on en parle maintenant. Mais avec vous. Oui, justement avec Michel qui est retraité de Manosque et qui surtout a eu affaire à cet hôpital. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour Michel, merci pour votre témoignage ce matin au 32-10. Racontez-nous, quand êtes-vous allé dans cet hôpital de Bastia ? Eh bien, c'est cet été, nous étions en vacances avec mon ami. Mon ami a fait une chute dans la Restonica et nous nous sommes retrouvés à l'hôpital de Bastia. Oui. L'accueil a été extrêmement bien, mais on s'est aperçu très rapidement que l'hôpital était dans une vétusté épouvantable. La chambre était quelque chose d'assez vétuste. Enfin, l'ensemble était d'une vétusté incomparable. Par contre, nous sommes en admiration devant les infirmières et les aides-soignantes de cet hôpital qui ont vraiment des médailles à recevoir parce qu'elles étaient
vraiment démunis devant leur manque de matériel et de possibilités. Mon amie n'a pas été opérée, c'est-à-dire pendant une semaine, elle est restée à l'hôpital sans avoir eu la possibilité d'être opérée. Pourquoi ? Il a fallu la rapatrier sur parce que la cassure, enfin le mal qu'elle avait, enfin la chute qu'elle avait faite, le médecin n'a pas voulu. Dans l'hôpital de Bastia. Alors racontez-nous, il ressemble à quoi cet hôpital de Bastia ? Vous parliez des chambres, mais plus généralement, voilà. C'est vétuste ? Ah, c'est vétuste. Il y a deux ascenseurs. Déjà, l'accès aux étages, il n'y a que deux ascenseurs, dont un était en panne pendant une semaine. Et d'après les personnes qui l'utilisaient, qui avaient l'habitude de venir, cette panne était récurrente depuis un bon moment. Donc, il n'y avait qu'un ascenseur pour tout l'hôpital. On parle de blocs qui étaient fermés aussi cet été, de blocs opératoires, vous l'avez constaté ? Voilà, oui, alors j'ai constaté. C'était au quatrième étage. Il n'y avait qu'un tiers de cet étage qui était utilisé pour les patients. Tout le reste était abandonné. Les portes étaient grandes ouvertes, tout le monde pouvait y aller. La poussière, les rideaux déchirés, du matériel abandonné dans les couloirs. Quelque chose d'assez effrayant. Voilà, c'était vraiment effrayant. Merci pour votre témoignage, Michel, ce matin sur RTL. Vous qui avez été confronté à la grande misère de l'hôpital de Bastia, on en reparlera tout à l'heure à 6h15 avec l'une des infirmières de cet hôpital qui est en grève de la faim, donc depuis fin octobre, pour alerter les autorités, alerter le gouvernement, notamment sur les difficultés financières de l'établissement. Allez, on marque une pause et ensuite on va retrouver un petit peu le sourire. On va manger, donc déjà forcément ça nous donne le sourire, notamment à vous, Marina, on l'a compris. Bon, à vous tous aussi, hein. Je ne suis pas la seule. C'est le plat du jour avec le chef Pasto. Bonjour François. Bonjour Julien, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on mange ce matin ? De la truite. Miam miam. Allez, à tout de suite sur RTL. Écoutez, vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Le plat du jour, c'est notre petit plaisir du matin avant 6h. Le chef François Pasto est vendredi, avec nous en studio. Ah, mais oui. Vendredi, c'est poisson. Ah oui, c'était comme ça la cantine. Bah, mercredi, c'était déjà poisson avec vous, François, mais donc vous remettez le couvert ce matin. Oui, je réitère, je vais vous parler de la truite. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne alternative en fait, face au saumon pour les fêtes de fin d'année. Ah bah je voulais oui, vous en parler presque, dès maintenant. On y est presque. Hein, parce qu'il faut savoir qu'elle est produite comme le saumon en aquaculture, mais aussi d'une façon beaucoup plus raisonnée que l'industrie salmonicole de Norvège ou de Chili. Donc, il faut vraiment... Moi, j'aime bien travailler la truite, qui est un bon poisson qu'on oublie, en fait. Délicieux. À titre d'exemple, il y a une trentaine de fermes, comme ça, à travers la France, qui travaillent en agriculture biologique, et c'est beaucoup moins impactant pour notre environnement. Donc, mangez de la truite. Bon, mangez de la truite. Qu'est-ce qu'on en fait alors de cette truite alors, ce matin avec Moi, je vais vous en faire un gravlax au thé vert et épices douces. Alors, un gravlax, qu'est-ce que c'est que le gravlax ? En fait, c'est une marinade avec du sucre, du sel et des épices. Alors, vous allez mélanger. Vous avez toutes les proportions sur le Facebook RTL Petit Matin. Mais donc, vous mettez le sucre, le gros sel, le thé vert, la petite cuillère de gingembre poudre, le curcuma. Vous mélangez tout ça avec un petit peu de zeste d'orange et également déshydraté. Une pincée de poudre de cannelle et une demi-tige de citronnelle que vous allez avoir préalablement émincée finement. Vous mélangez bien tout ça. Vous allez prendre votre filet de truite levé, bien évidemment. Vous gardez la peau en dessous, bien rincée. Vous l'étalez sur une plaque et vous mettez ce mélange par-dessus et vous allez bien étaler ce mélange. Vous remettez ce poisson avec son plat dans le frigo pendant 12 heures. On laisse mariner. Vous laissez mariner. Au bout de 12 heures, vous le sortez. Vous allez le rincer. Vous allez passer sous l'eau pour retirer l'excès de sel, de sucre. Et puis après, vous n'avez plus qu'à le déguster. Voilà, vous pouvez le conserver une bonne semaine dans votre frigo sans aucun souci. Oh, ça c'est pas mal, ça. Ouais. C'est ultra simple. Qu'est-ce qu'on fait, on le coupe en petits bouts pour le déguster ? Alors après, ce qui est bien, moi, le gravlax, j'aime bien le servir un peu épais. D'accord. Hein, contrairement au saumon fumé ou à la truite fumée que vous coupez très, très finement, vous avez en grandes tranches, un petit peu épais, ça va vous donner de la mâche dans une salade, par exemple. Donc si j'ai bien compris, puisqu'on lave un petit peu le poisson quand il sort du frigo, en fait toute la marinade est imprégnée. Déjà, on le lave, c'est-à-dire qu'on retire l'excédent de sel, de sucre, de toute la marinade, et puis après épongez-le bien aussi, retirez avec du papier absorbant, et après vous pouvez le trancher. Bon, ça donne faim. On met pas d'huile.
Non, non, vous pouvez. Alors, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile si vous voulez dessus, mais c'est pas nécessaire, c'est déjà gras. Hein. C'est la truite, c'est comme le saumon, c'est gras, c'est un poisson gras. D'ailleurs, en parlant de la truite, il faut combien de temps pour qu'elle arrive à maturité ? Alors, il faut beaucoup de temps. Il faut, deux à trois ans. Ah oui, quand même. Oui, pour arriver à. En fait, qu'elle, il faut pour qu'elle atteigne à peu près entre 300 et 2,5 kg. Oui, d'accord. Et ce qui demande beaucoup aussi de farines animales. D'accord. Et vous parlez des fermes biologiques. Les fermes d'élevage, elles sont mauvaises pour les cours d'eau, c'est ça ? Alors, oui, ça, je vais en parler. Effectivement, il faut faire attention à bien traiter les eaux pour ne pas polluer les autres fermes en aval et aussi pas polluer nos rivières. Mais au niveau de l'alimentation des truites, effectivement, ou d'autres autres poissons issus de l'aquaculture, ça s'est beaucoup amélioré au niveau de l'alimentation. Avant, on était entre 5 à 6 kilos de farines animales. Maintenant, on est descendu entre 3 à 4 kilos, ce qui est un petit peu moins. Et il faut savoir que ces farines animales proviennent forcément de poissons sauvages de la mer. Donc, il faut vraiment réguler l'alimentation et surtout, pour notre santé également, avoir une alimentation saine et durable. Bah ça, c'est une bonne idée, effectivement. Message passé, j'avais la... Qu'est-ce que vous avez apporté en studio ? C'est justement de la truite ? Et justement, la truite, et avec une salade d'endives, avec des petites noix, des abricots secs, un petit peu de noisettes torréfiées dedans, vous allez voir, et une petite sauce à la Réfort. Vous nous gâtez. On a de la chance. On va se faire un petit déj. Moi, clairement, quand je vous vois arriver, j'ai l'impression qu'on fait le plus beau métier du monde. Hein. Mais en même temps, on est très sérieux. Hein. On teste pour les auditeurs. Je pense que les auditeurs doivent être jaloux. Hein. Mais oui, mais on va leur mettre la recette sur la page Facebook RTL Petit Matin. Comme ça, ils pourront refaire à leur guise le gravlax et pourquoi pas le mettre effectivement sur la table des fêtes de fin d'année. Et voilà. C'est une riche idée. Merci, chef, et à lundi. À lundi. Invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors Virginie, vous êtes toujours à Bonn en Allemagne, au sommet sur le climat où sont présentées des solutions pour lutter contre le réchauffement. Parmi les énergies d'avenir, il y a l'hydrogène, car faire rouler des voitures, des bus à l'hydrogène, ça a de gros avantages. Oui, parce que ça ne dégage que de la vapeur d'eau, aucun polluant. Imaginez, pour débarrasser les centres-villes de tout ce qui nous encrasse les poumons, c'est la solution d'avenir. Alors à Paris, déjà 50 taxis roulent à l'hydrogène. Il y a une station près de la Seine, où ils peuvent aller remplir leur réservoir en 3 minutes. Une autre va ouvrir le mois prochain à Orly, à l'aéroport. En tout, 7000 voitures roulent dans le monde à l'hydrogène, surtout au Japon. Quelques bus et bientôt un train en Allemagne. Alors c'est un gaz qui n'existe pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. L'extraire, soit d'un autre gaz, le méthane, c'est la solution actuelle, la moins chère. Mais quand on sépare l'hydrogène du méthane, ça dégage du gaz carbonique. Donc ça, c'est mauvais pour le climat. Alors soit on peut aussi le trouver dans l'eau. On l'extrait en pratiquant l'électrolyse. Vous l'avez peut-être fait en cours de chimie à l'école. Là, il faut simplement de l'électricité. Et si elle est solaire ou éolienne, on obtient une énergie qui ne pollue pas du tout. Alors pour l'instant, cette méthode est plus chère. Mais ici à Bonn, 18 grands groupes industriels, dont Air Liquide pour la France, sont venus expliquer que ça les intéresse, qu'ils vont faire de la recherche pour développer la production à base d'eau, qu'ils devraient faire baisser les coûts. Et ces groupes estiment que cette nouvelle énergie va pouvoir réduire de 20% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2050 et créer un énorme business de 2500 milliards de dollars par an. Merci beaucoup Virginie Garin, depuis Bonn en Allemagne, l'envoyée spéciale de RTL ce matin. Le temps, Marina, on prévient les auditeurs qui s'apprêtent à prendre la voiture. Dans certaines régions, il y a des brouillards, oui. Dans de nombreuses régions. Oui, encore comme les jours précédents, les brouillards sont là, brumes et brouillards, à Clermont-Ferrand par exemple, à Lannion, à Toulouse, à Bourges, à Poitiers, à Mâcon, vous en avez aussi à Langres, à Caen, à Reims, à Belfort, à Évreux, à Saint-Quentin, à Nancy, à Troyes ou à Rouen, pour ne citer que quelques exemples. Alors il y a un peu moins de gelée qu'hier, il y en a un, mais un petit peu moins, donc un petit peu moins de brouillards givrants, mais prudence tout de même. Alors une fois ces brouillards dissipés, comme les jours précédents sur la moitié sud, vous aurez du soleil, hein. Il fera beau donc, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Corse, en remontant d'ailleurs jusqu'au Jura, sur l'Auvergne aussi, du beau temps. Ce sera peut-être un peu plus nuageux cet après-midi, mais bon, une bonne partie de la journée se passera sous le soleil, avec toujours un petit peu de mistral et de tramontane, avec des rafales entre 60 et 70 km par heure. Au nord, en revanche, on a une petite perturbation qui est arrivée sur le pays, elle donne un ciel surtout nuageux, les averses sont vraiment
rares, mais il y en a quelques-unes. Alors, en gros, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, alors à part sur le Jura où ce sera agréable. De nuages aussi vers le centre Val-de-Loire, la région parisienne, jusqu'à la Normandie et la Bretagne. Il y aura quand même des éclaircies sur l'ouest de la Bretagne et aussi sur le sud des Pays de la Loire, sur le nord des Pays de la Loire. Ça restera nuageux. Puis au nord, il y a une exception, ce sont les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France qui vont retrouver du soleil aujourd'hui. Pour les températures, cet après-midi, un petit peu en hausse. 6 à Strasbourg, 9 à Reims, 10 à Lille et Lyon, 11 à Paris et Orléans. Il fera 14 degrés à Bordeaux, 16 à Marseille et 19 à Perpignan. Merci Marina. On vous souhaite une excellente journée, un très bon réveil à l'écoute de RTL. Il est 6h. Le journal à 6h de Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et à la une, nous aurons bientôt le droit à l'erreur en cas de litige face à une administration. Le principe va être inscrit dans la loi. Qu'est-ce que cela va changer pour vous? Détail dès le début de ce journal. Un club de foot de Seine-et-Marne infiltré par deux islamistes. La mairie de Lagny a obtenu le départ de ses deux entraîneurs poursuivis pour l'organisation d'une filière de départ en Syrie. Dans l'actualité également, Saad Hariri, le premier ministre libanais, sera en France demain. Et puis des commerces sur les ponts de Paris. Le projet de trois nouvelle passerelle présentée par la mairie ne fait pas l'unanimité. Deux fois le temps d'ici 6h30. 9 degrés et un ciel couvert, c'est le programme météo de l'après-midi à Mont-Cenis en Saône-et-Loire. RTL Matin. Il y aura donc une loi pour défendre les contribuables face aux erreurs de l'administration. Les grandes lignes en sont dévoilées par les Échos. Le texte sera présenté dans une dizaine de jours en Conseil des ministres. Projet pour une société de confiance, c'est son titre. Le principe, c'est que les Français en litige avec l'administration seront systématiquement considérés comme étant de bonne foi. Bref, nous aurons le droit à l'erreur, Christophe Ponzio. Exactement, 48 articles où les déclarations sociales, fiscales et douanières seront les premières concernées par ce droit à l'erreur, selon les Échos. Par exemple, une coquille dans votre déclaration d'impôt ou à la CAF pour toucher le RSA, un oubli de revenus, de primes à cause d'un courrier jamais arrivé, eh bien au premier contrôle, des pénalités ou des intérêts de retard vous pendaient au nez. Là, si vous prouvez votre bonne foi, plus rien, à condition de ne pas en abuser puisque vous ne disposerez que d'un seul joker. À noter que les sujets qui touchent à la santé, à l'environnement, aux délais, notamment de paiement, et à la matière pénale ne seront pas concernés. Ce projet de loi devrait aussi permettre de simplifier la vie des entreprises avec des expérimentations, moins de contrôle administratif pour les PME, des déclarations simplifiées, ou pour les chantiers de construction, une obligation de résultat et non plus de moyens pour déroger à certaines règles aujourd'hui trop contraignantes. Christophe Ponzio, et attention, hein, cette loi ne changera rien pour les délais de paiement. Vous serez toujours majoré si vous payez vos impôts en retard. Faible mobilisation hier pour la dernière manifestation contre les ordonnances sur le travail. 80 000 personnes dans toute la France. Alors Emmanuel Macron a-t-il fait taire la rue? Ce sera le thème de notre grand débat du vendredi à 8h20 sur RTL. Alain Duhamel face à Nicolas Domenac, le tout autour d'Yves Calvi. Début aujourd'hui du procès d'Abdelhakim Dekar. Il y a 4 ans, il avait grièvement blessé un photographe à la rédaction de Libération. Il s'était rendu avant dans les locaux de BFM TV, où il avait braqué un rédacteur en chef. Il est jugé aux assises de Paris pour tentative d'assassinat. Vous écoutez RTL, 6h passées de 3 minutes, et on parle maintenant d'un club de foot amateur infiltré par des islamistes. Ça se passe en Seine-et-Marne. À Lagny, la ville est connue pour sa mosquée fermée peu après les attentats du 13 novembre. Elle abritait une filière de départ vers la Syrie. Eh bien, deux des organisateurs présumés de cette filière, mis en examen, ont pris le pouvoir de l'équipe locale de football. Le maire Jean-Paul Michel a demandé et obtenu leur suspension. Ces deux personnes sont des habitants de la ville, hein, donc elles bénéficient forcément d'amitié, de réseau. Et puis nous découvrons grâce à une vigilance que nous avons avec les services de la ville qu'ils sont en responsabilité, qu'ils entraînent deux équipes. Donc à partir de ce moment-là, nous n'avons pas nous directement le pouvoir d'intervenir, mais nous nous sommes évidemment rapprochés immédiatement des services de l'État et notamment de la préfecture, bien sûr de la direction du club, et avons décidé ensemble d'agir en demandant qu'ils soient suspendus et qu'ils ne puissent plus en aucun cas exercer une quelconque responsabilité d'entraînement d'équipe de foot. Jean-Paul Michel, le maire UDI de Lagny, au micro RTL de Raphaël Vantard. Saad Hariri sera demain à Paris. Emmanuel Macron recevra le premier ministre libanais démissionnaire à l'Elysée. Après 2 semaines en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie saoudienne a confirmé hier soir que Saad Hariri était libre de ses mouvements. Au Zimbabwe, Robert Mugabe, 93 ans, refuse de quitter le pouvoir. Le vieux dictateur a rencontré hier les militaires qui
l'ont placé en résidence surveillée depuis leur coup de force d'avant-hier. Toujours aucun accord en Allemagne. Les trois partis qui discutent pour former une coalition s'étaient donné jusqu'à minuit. Ils ont repoussé l'échéance tôt ce matin. Ils reprendront les discussions tout à l'heure. Et puis à Bonn, fin ce soir de la COP23, les décisions sur l'application de l'accord de Paris vont être renvoyées à la prochaine conférence climat fin 2018 en Pologne. Verra-t-on bientôt des commerces, des bureaux sur les ponts de Paris? Le projet présenté hier par la mairie pourrait changer le visage de la capitale. On en parle dans un instant. Vous êtes bien sur RTL. Très bon réveil. RTL Matin, Julien Cellier. Très bon réveil avec RTL, 6h, passé de 7 minutes, la suite du journal. Et voilà donc une nouvelle proposition de la mairie de Paris qui nous promet de belles polémiques. La municipalité lance un appel à projet pour trois nouveaux ponts qui enjamberont la Seine. Signe particulier, ils seront bordés de commerces. Vous avez bien entendu, des passerelles piétonnes sur lesquelles vous pourriez faire vos courses, comme sur le pont de Vecchio à Florence. Présentée ainsi, l'idée est séduisante, mais elle est loin de faire l'unanimité. Reportage Fabien Randriana Rissoa. Imaginez Ponte Vecchio sur Seine, des bureaux, des commerces et en toile de fond les bateaux-mouches. Un pont lieu de vie comme au Moyen-Âge, revu et corrigé pour notre époque, explique l'architecte Marc Mimram. Le retour au Moyen-Âge n'est pas prévu pour demain. Non, ce qui a changé beaucoup, c'est la capacité qu'on a à inventer des structures magnifiques, des espaces culturels, des restaurants, mais de manière plus contemporaine puisque maintenant les espaces sont plus larges et le Ponte Vecchio à Paris, pourquoi pas. Mais les Parisiens croisés sur le pont de l'Allemagne ne sont pas vraiment emballés. La circulation, la densité de population, elle était pas du tout la même Moyen-Âge. Faut vivre un peu avec son temps. C'est vrai que Paris, maintenant, est peut-être saturé en habitat, mais les ponts de Paris, il ne faut pas y toucher. Pour rassurer tout le monde, l'architecte Stéphane Malka imagine une installation amovible. C'est vraiment l'idée d'une structure métallique qui s'installe en quelques jours et avec des modules qui sont des cafés, des bars, des galeries, qui peuvent s'installer sur des plateaux qui sont des plateaux préfabriqués et qui permettent d'avoir une grande mobilité. 20 ans que l'idée d'un pont lieu de vie est dans les cartons. D'ici à ce qu'elle fasse l'unanimité, on peut imaginer que de l'eau aura coulé sous les ponts. Fabien Randriana Rissoa, lourde peine requise à l'encontre de Mathieu Gallet. Le parquet de Créteil réclame 18 mois de prison avec sursis contre l'actuel patron de Radio France. Il est soupçonné de favoritisme au bénéfice de plusieurs sociétés de conseil lorsqu'il dirigeait l'Institut National de l'Audiovisuel. On passe au foot, la Ligue 1 reprend ses droits ce soir. Avec deux rencontres à 19h, Lille reçoit Saint-Etienne, les Verts dont l'entraîneur Oscar Garcia a démissionné cette semaine. Et puis 20h45, Amiens accueille l'AS Monaco. Ce sera au stade de la Licorne, première rencontre depuis la chute d'une barrière fin septembre. L'incident avait fait 29 blessés. Cette information RTL à présent, la semaine olympique et paralympique est reconduite l'an prochain. Elle aura lieu fin janvier. Du sport, même en cours de maths ou en géographie, et des athlètes dans les classes, comme l'explique Tony Estanguet, le président de Paris 2024. C'est à la fois développer la pratique sportive, donc pendant une semaine, plus de sport à l'école, au sein de l'école, des activités olympiques et paralympiques. C'est intéressant aussi d'associer des activités paralympiques pendant cette semaine-là. Mais c'est aussi, en dehors du sport, utiliser finalement le sport pour des matières plus traditionnelles. Faire des maths grâce au sport, en comptant les médailles, faire de la géographie, regarder les pays qui participent aux Jeux Olympiques. Voilà, comment pendant une semaine, de manière ludique, on utilise le sport pour faciliter les apprentissages. Il y a pas mal d'athlètes qui vont participer aussi à cette semaine. C'est vrai que pour les enfants, de voir des athlètes rentrer dans leur classe et découvrir la magie du sport à travers les athlètes, c'est vrai que c'est beaucoup plus impactant. Donc on va faire venir les clubs, les athlètes au sein de l'école pour vraiment motiver les enfants. On sait qu'il y a un enfant sur quatre qui se met au sport grâce à un événement sportif. Eh bien, il faut qu'on aille chercher les trois quarts restants. Et pour ça, il faut rentrer dans l'école et vraiment les motiver à faire du sport. Voilà, ce sera donc le cas à partir du 27 janvier prochain pour une semaine. Tony Estanguet avec Isabelle Langer. Ah, c'était le journal de Jérôme Chapuis. Merci Jérôme. Et on vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À 7h avec Yves Calvi. Le temps maintenant, Marina, bah, c'est bien gris au nord. Hein. Oui, c'est vrai. Je regarde votre carte au-dessus de votre épaule, c'est pas terrible. On a une petite perturbation là qui est arrivée sur le nord du pays. Bon, elle est pas très active. Elle donne surtout un ciel bien nuageux, les averses sont rares et localisées, mais il y en a quelques-unes. En gros, de la Bretagne à la Normandie, à la région parisienne, au Grand Est, en allant vers le nord des Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et à l'ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, ça restera nuageux. Alors, on peut espérer quand même quelques éclaircies cet après-midi. De l'ouest de la Bretagne à l'ouest, au sud des Pays de la Loire, on aura aussi des éclaircies vers le Jura ou encore le Doubs. Et puis la bonne nouvelle, c'est l'extrême nord, les Hauts-de-France qui vont retrouver du soleil. Et puis pour le reste, c'est-à-dire la moitié sud du pays, pas de changement, eh bien ce sera du soleil. Tout
toute la journée avec un peu de mistral et de tramontane. En gros, de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. À signaler quand même des brumes et des brouillards encore une fois ce matin. Puis les températures en revanche qui sont en hausse. Entre 6 et 19 degrés cet après-midi avec 10 à Lille, 11 à Paris, 14 degrés à Bordeaux. Il fera 18 degrés à Nice. Merci beaucoup Marina. On fait un point sur le trafic avec vous Olivia. On rappelle qu'il y a donc des brouillards et des brumes, vous le disiez Marina. Olivia, les auditeurs sont invités à la prudence au volant. Est-ce que ça roule ce matin? En Ile-de-France, ça va bien. 10 km de bouchons cumulés seulement. Ailleurs, je vous signale juste cet accident sur la 11 direction Le Mans. L'autoroute est coupée juste après Chartres jusqu'à Damaris. Merci Olivia. Le quintet maintenant, ce sera ce soir en nocturne à Vincennes. Votre dernière minute Bernard Glass. Effectivement, ma dernière minute pour ce quintet de trou à Vincennes en nocturne avec 18 partants. Hélas, Bebop Mélois, il a 100% de réussite sur ce parcours et j'imagine qu'il est maintenant revenu en grande forme puisqu'il est déféré pour l'occasion. C'est, je pense, un bon outsider dans cette seconde épreuve où je fais confiance à Vicisite le 2, Bebop Mélois, l'As, Stay Alert le 4, Cébella Park le 13, Emmett Brown le 8, Bebop au fort le 3, Brian James le 7 et Global Response le 14. Merci Bernard. Pour les pronostics et les résultats, 32-10 sous notre site, on refait les courses.fr. Allez, bon réveil avec RTL. Dans un instant, on va s'intéresser à la grande misère de l'hôpital de Bastia. Tendez l'oreille. 7 infirmières ont entamé une grève de la faim fin octobre pour alerter sur la situation financière et sanitaire de l'établissement. L'une d'entre elles sera notre invitée. C'est tout de suite sur RTL. 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 L'invité des petits matins. Il est 6h14, bienvenue sur RTL. Ce matin, on a choisi de s'intéresser au combat des infirmières, des employés de l'hôpital de Bastia. 7 d'entre elles ont entamé une grève de la faim le 30 octobre pour alerter sur la grande misère de leur établissement. Bonjour Josette Risterucci. Bonjour monsieur et merci vraiment de nous donner l'antenne. Vous êtes secrétaire médicale, vous faites partie de ces grévistes. Merci donc de vous d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, on vous pose la question, est-ce que vous tenez le coup? Où en est la mobilisation? On sait que certaines de vos collègues épuisées ont dû stopper la grève. C'est exact, elles ont stoppé la grève de la faim pour raison médicale, parce que cette grève était organisée tout en travaillant. Cela pour ne pas pénaliser le patient et ne pas mettre une grève qui arrêterait l'activité de l'hôpital. Donc c'est un acte désespéré effectivement et responsable en même temps. Vous personnellement, est-ce que vous tenez le coup? Nous sommes deux actuellement à tenir. Médecin du travail a prononcé une incapacité temporaire de travail, puisque notre état justement le justifie. Mais nous continuons malgré tout cette action et d'autres dans l'hôpital jusqu'à se faire entendre par le ministère de la Santé, qui depuis 3 semaines nous méprise et aux abonnés absents. On va y revenir. Alors vous avez commencé, vous le dites, cette grève de la faim pour alerter sur la situation de votre hôpital. Je vous propose juste, Josette Risterucci, d'écouter ce témoignage. C'est celui de Michel. Elle a appelé RTL là, il y a une demi-heure. Elle a emmené cet été une amie dans votre hôpital et elle a tenu à témoigner. Écoutez. Oui. Et au 4e étage, il n'y avait qu'un tiers de cet étage qui était utilisé pour les patients. Tout le reste était abandonné. Les portes étaient grandes ouvertes, tout le monde pouvait y aller. La poussière, les rideaux déchirés, du matériel abandonné dans les couloirs, quelque chose d'assez effrayant. Mais par contre, nous sommes en admiration devant les infirmières et les aides-soignantes de cet hôpital qui ont vraiment des médailles à recevoir. C'était le témoignage de Michel qui, j'imagine, doit vous faire chaud au cœur et qui, j'imagine, décrit des choses que vous connaissez trop bien, Josette Risterucci. Mais tout à fait. Aujourd'hui, notre activité et notre qualité des soins repose effectivement sur des équipes médicales et paramédicales totalement investies. Ceci dit, personne n'est parfait, bien entendu. Ça, c'est nous le disons. Et oui, un bâtiment, un étage abandonné qui devrait servir aujourd'hui à accueillir des patients et qui depuis des mois est en attente justement de les accueillir. Il y a eu des blocs opératoires fermés car trop vétustes cet été, c'est ça? Alors nous sommes dans un établissement qui a été livré en 1985 et à cette époque on n'en faisait plus de ce type dans la France entière, mais en Corse on l'a construit. Donc ce bâtiment a été vétuste très vite et a eu besoin de se remettre
d'autres normes. Mmh. Le bloc opératoire faisait partie de ces projets. Il aurait dû être fini depuis plus de 10 ans. Et à cause de cette vétusté, nous avons eu 3 salles de bloc opératoire, donc sur 5, fermées en plein mois d'août, alors que nous accueillons plus de 3 millions de touristes. Mmh. Et cela a été gravissime, c'est l'exemple frappant de ce que nous dénonçons depuis des années. Votre hôpital, il a une dette de 50 millions d'euros, dont 29 millions d'euros aux fournisseurs. Concrètement, quelles sont les conséquences aujourd'hui? Visiblement, les fournisseurs ne vous livrent plus. Qu'est-ce qu'il manque dans l'hôpital? Alors, il manque essentiellement, sur ces 29 millions d'euros, ce que l'on appelle le consommable pour la pharmacie, pour le bloc opératoire, tout le matériel nécessaire. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, à l'hôpital de Bastia, vous manquez d'antibiotiques, de compresses, de pansements? Nous sommes arrivés effectivement à avoir des ruptures dans les services, d'antalgiques, d'antibiotiques, de pansements, de tout ce que vous venez de décrire, et que le personnel au quotidien se démène soit pour se dépanner d'un service à un autre, soit, ce qui est plus grave, de jongler avec des fournisseurs qui ne sont pas payés pour avoir des livraisons. Voilà, et ça, c'est le quotidien. Comment on en arrive à cette situation? Récemment, la Cour des comptes a pointé la mauvaise gestion de votre hôpital. Il y a le problème, selon vous? Alors, vous savez, la Cour des comptes, c'est normal, tous les 4 ans, on fait des rapports. Mauvaise gestion, c'est facile de le dire quand on ne donne pas les moyens nécessaires aux hôpitaux publics et que l'on est effectivement en même temps obligé de faire de l'investissement pour des remises aux normes et en même temps de payer du personnel et d'avoir ce qu'on appelle en Corse la seule région qui n'a pas de CHU, il faut le rappeler, donc des établissements de la taille de Bastia qui ont des services que vous ne trouverez pas dans des hôpitaux de la même taille sur le continent. Des services de pointe, réanimation, neurochirurgie, cardiologie interventionnelle, néonate. Donc tout ça, effectivement, a des surcoûts qui ne sont pas compensés dans l'île et qui créent des déficits parce que quelles que soient les activités que nous aurons qui sont indispensables, elles ne seront, entre guillemets, jamais rentables. Josette Risterucci, une dernière question. Vous réclamez à l'État d'éponger une partie des dettes. La ministre Agnès Buzyn est venue à Bastia mi-août. Visiblement, depuis, vous n'avez pas de nouvelles. Le gouvernement nous a fait savoir, nous ici à RTL, qu'il ne s'exprimera pas sur votre dossier avant les élections territoriales en Corse. Ce sera début décembre. D'ailleurs, on va être clair, vous figurez sur une liste avec des dissidents insoumis et des communistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette position, de cette explication du gouvernement? Je pense que c'est un chantage inadmissible puisque depuis le 17 août, la ministre a reçu l'ensemble du monde hospitalier, qu'elle a été informée de la situation, comme ses prédécesseurs, hein, parce que la faute n'est pas qu'à elle. Mais aujourd'hui, nous attendions depuis le mois d'août des aides exceptionnelles en trésorerie, je parle bien, et nous étions que sur 15 millions d'euros. Et c'est une façon de fuir les responsabilités. Je ne vois pas pourquoi, au titre d'élection, voilà, on bloquerait un établissement de santé. C'est indigne d'un responsable, d'un gouvernement. D'un ministre, voilà, merci. D'un gouvernement. Merci beaucoup, Josette Risterucci, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. On vous souhaite une bonne journée. Allez, belle matinée, vous écoutez RTL et tout de suite, c'est Laissez-vous tenter première avec Mister Cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. On va retrouver un petit peu de légèreté avec vous, avec un film et deux grands acteurs français. Oui, je vais vous parler de quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin, de brio. Oh là 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 là. Je vous en prie, ça fait plaisir. Oh là là, il me flatte. Allez, à tout de suite sur RTL. Il parlait de moi. Surtout Julien Cellier, RTL Matin. Laissez-vous tenter, première. Allez, bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez, il est 6h24 et on parle cinéma maintenant, avant la sortie mercredi prochain du film RTL Le Brio, réalisé par Yvan Attal avec notamment Daniel Auteuil. Alors Stéphane Boutsock, comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif, vous inventez des mots et vous nous dites qu'il s'agit... Cette information est fausse. Il s'agit d'une dramédie. Absolument. Vous pouvez nous expliquer le concept? Sujet de fond assez grave, mais traité par le sourire, donc un peu de drame et un peu de comédie. Dramédie. Le Brio raconte comment Neila, jeune française d'origine maghrébine, étudiante en droit, va rencontrer Pierre Mazard, prof un petit peu réac et provocateur. Ils ont tout pour se détester, mais vont devoir bosser ensemble pour préparer le concours d'éloquence auquel Neila va représenter sa fac. Extrait.
Je connais ma destinée. Un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Le souvenir d'une... Pourquoi vous êtes si pressé ? Prenez votre temps. L'éloquence, c'est aussi savoir utiliser les silences. À vous. Je connais ma destinée. Un jour s'attachera à... Je connais, bordel, c'est pas compliqué. Vous avez de la semoule dans le cerveau ou quoi ? Non, ce n'est pas une provocation, c'est une véritable expression française qui signifie que votre cervelle est ramollie. Reprenez. Attendez, mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Allez-y. Non, mais ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation. Bon, on a reconnu la voix de Daniel Auteuil. Ne serait-ce pas celle de Camélia Jordana qui lui donne la réplique ? Vous avez l'oreille absolue. Ouais, merci, le brio. La chanteuse est aussi comédienne et elle trouve dans le personnage de Neila un rôle qui va marquer sa jeune carrière sur grand écran. Formidable de naturel, de fougue dans une histoire qui parle aussi de transmission, de confiance, de préjugés, de génération et donc de différence. On sait qu'on est dans un monde et dans une époque où, en effet, on n'a pas la même vie selon son genre, sa gueule, son âge, sa culture, son pays, son origine. Et oui, il y a des stigmatisations, oui, il y a des clichés, oui, il y a des injustices, oui, il y a de la discrimination, positive ou négative d'ailleurs. Mais en fait, étant donné que ça existe de fait, je pense qu'il est important d'aller chercher et d'essayer de trouver la force quelque part, d'avoir quand même confiance en soi à un endroit, de mettre tout ça de côté, de se concentrer sur sa force pour pouvoir ne pas lâcher et atteindre son but. C'est aussi ça le message du film. Et c'est un message que moi, j'avais envie de transmettre et de tenir aux gens de ma génération particulièrement. C'est parce que finalement, c'est un message très positif, je crois. Notez que Camélia Jordana est prénommée pour le César de la Révélation Féminine 2018 pour ce rôle dans Le Brio qui sort donc mercredi prochain avec RTL. Et notez aussi qu'Yvan Attal, le réalisateur, et Daniel Auteuil seront tout à l'heure avec vous, Stéphane Boudzok, et avec Yves Calvi dans Laissez-vous tenter à 9h. Rendez-vous à 9h alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Laissez-vous tenter, première. Et rendez-vous à 16h, Caroline. Jusqu'à 18h avec nos grosses têtes, parfaite parité cet après-midi à partir de 16h. Ariel Dombal, Chantal Latsou et Roselyne Bachelot. Voilà, pour les femmes, il y en aura pour tous les goûts. Coucher avec la femme de son meilleur ami, il n'y a pas ça aux grosses têtes. Bah déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont mariés. Ah bah si, quand même. Et surtout, il n'y a pas beaucoup qui ont des amis. Titoff. Oui. Surtout. Titoff, il a une femme, je suis désolé. Florian Gazan aussi. Bah, voilà. Quoi ? C'était ta femme ? Si c'est toi, Pierrot. Il y a des tas de gens mariés dans l'équipe. Je suis désolé. Oui, mais bon. Vous, Jean-Jacques, vous êtes marié. Bernard Mabie est marié. Mais moi, ça ne me gênerait pas du moment que la personne laisse l'argent sur la table de nuit. Rendez-vous tout à l'heure à 16h avec les grosses têtes et Laurent Ruquier. Dans un instant, Marina va nous annoncer du soleil au sud et de la grisaille au nord. Rien de bien original. Juste avant l'horoscope. Bonjour Christine Haas. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Scorpion, une rencontre Lune-Vénus aujourd'hui dans votre deuxième décan. Vous serez très réceptif, branché sur les autres et en même temps vous aurez plein d'amour à donner. Sagittaire, vous semblerez lointain, indifférent, mais vous serez probablement absorbé par une affaire de cœur, deuxième décan. L'autre prend beaucoup de place dans votre vie. Capricorne, vous serez sensible à la rencontre Lune-Vénus qui se fait dans votre secteur d'amitié et de solidarité. Vous êtes pragmatique, s'il y a une aide à apporter, bien vous le ferez. Verseau, vous pourriez croiser votre boss dans un couloir et il ou elle ne manquera pas de vous féliciter pour la qualité de votre travail. Toujours agréable, n'est-ce pas ? Poissons, aujourd'hui, ce sont ceux du mois de mars qui auront un peu de magie dans leur vie et s'il n'y en a pas assez, ils pourront en rajouter une petite touche personnelle. Bélier, ça ne doit pas être facile en ce moment à cause d'une dissonance Mars-Pluton qui peut vous bloquer, plus ou moins, mais le deuxième décan empathie plus que les autres. Taureau, Lune et Vénus agiront comme un adoucissant sur vos relations et même si vous restez un tantinet rigide, deuxième décan, vous serez un peu plus accommodant. Gémeaux, Mercure et Mars sont parfaitement alignés et si vous êtes du deuxième décan, une discussion un peu musclée est à prévoir, mais vous aurez le dessus. Cancer, le deuxième décan est en passe de récupérer les bons influx du premier et ils seront encore meilleurs pour tout vous dire. Le ciel indique un bel épanouissement sentimental. Lion, ambiance familiale aujourd'hui pour le deuxième décan, mais probablement pas qu'à la maison. Au travail aussi, il y aura un climat bon enfant, peut-être une petite fête. Vierge, Lune et Vénus vont
vont égayer votre journée. Tout ce que vous ferez sera agréable et nourrira votre curiosité, votre envie d'apprendre, déjà bien sollicité par Jupiter. Balance, une manne financière pourrait commencer à vous tomber dessus, deuxième décan, mais vous pouvez aussi être trop dépensier. Allez, bonne journée. Bonne journée, retrouvez Christine Haas chaque semaine dans TV Magazine et en appelant le 3210. Le temps, Marina, on aime voir le bon côté des choses, donc on va parler du soleil pour commencer. Alors, une fois les brumes et brouillards dissipés, c'est vrai que le soleil sera au rendez-vous ce matin sur la moitié sud du pays, en fait, de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les Alpes, les Pyrénées et la Méditerranée, avec un peu de mistral et tramontane soufflant entre 60 et 70 km par heure. Sur la moitié nord, vous l'avez compris, c'est la grisaille qui domine. On a une petite perturbation qui donne un ciel assez nuageux. Vous aussi, vous avez aussi des brumes et des brouillards, mais ensuite, ce sont les nuages qui vont prendre le relais, avec de temps à autre des petites averses. Il y a juste sur les Hauts-de-France ou les de France, vous retrouvez du soleil. Pour les autres, donc de la Bretagne à la Normandie, de l'Île-de-France au centre-Val de Loire, au Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, ce sera quand même assez gris. À signaler quand même des éclaircies pour le Jura, mais aussi de la Vendée en allant par l'ouest de la Bretagne cet après-midi. Les températures cet après-midi, justement en hausse quand même. 7 à Nancy, 9 à Dijon, 10 à Lille et Lyon, 11 à Paris et au Mans. Il fera 13 à Brest et à La Rochelle. Vous aurez 14 degrés à Tarbes et à Nîmes et 19 à Perpignan. Merci Marina. Belle journée à l'écoute de RTL. Il est 6h30. L'heure du journal de Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et à la une, l'homme au fusil devant le tribunal. Abdelhakim Dekar avait semé la terreur en plein Paris et à la Défense. C'était il y a 4 ans. Un photographe de Libération avait été grièvement blessé. Les motivations du tireur restent encore très mystérieuses. En marche, dans le désert, le débat en ligne à l'avant-veille du congrès n'a attiré au plus fort de la soirée que 270 spectateurs. La mort du parrain des parrains en Italie, Toto Riina, l'ancien chef de la mafia, est mort à 87 ans. Et puis que faire de nos églises qui tombent en ruine? La ministre de la Culture dévoile son plan tout à l'heure pour sauver le patrimoine. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Et ce matin, vous surfez avec Éric Cantona. Avant, il driblait ses adversaires. Maintenant, il dribble les questions des journalistes. De météo d'ici 7h. À Compiègne, dans l'Oise, patience. Les nuages vont se dissiper. Le soleil s'imposera cet après-midi avec une température de 10 degrés. RTL Matin. Il avait fait irruption, armé, dans plusieurs rédactions parisiennes. Abdelhakim Dekar est jugé à partir d'aujourd'hui. C'était 2 ans avant les attentats, en novembre 2013. Un climat de panique s'était emparé de la capitale. On parlait d'un tireur fou, insaisissable. Sa course à Paris et en banlieue avait duré plusieurs jours, Guillaume Chiez. Oui, pendant 6 jours, il a semé la terreur dans les rues de Paris. Un périple qui l'a mené des locaux de BFM TV à ceux du journal Libération. Puis la Défense, un braquage et une fuite sur les Champs-Élysées. Dans son parcours, Abdelhakim Dekar a fait plusieurs victimes, dont un blessé grave, un assistant photographe chez Libération. Les motivations du tireur de Paris sont encore aujourd'hui très floues. Dans des lettres adressées notamment à ses enfants, il évoque une guérilla d'usure contre l'hyperclasse et ses symboles. Abdelhakim Dekar avait déjà fait parler de lui il y a 23 ans maintenant, condamné comme complice du couple Rémopin, deux anarchistes révolutionnaires qui avaient fait 3 morts au sein des forces de l'ordre à Paris en 1994. Mais le tireur parisien veut aujourd'hui se démarquer de toute idéologie politique. Il va tenter de prouver que ses gestes découlaient d'une angoisse personnelle, affirme son avocat, et non d'un quelconque engagement politique. Merci Guillaume Chiez. 2 islamistes radicaux exclus d'un club de foot à Lagny-sur-Marne, c'est une information RTL. Ils avaient réussi à s'infiltrer progressivement dans l'organisation des équipes. L'un des 2 hommes a été incarcéré. Il ne respectait pas son assignation à résidence. Il est 6h, passé de 33 minutes et hier soir, le débat d'En Marche n'a pas passionné les foules. Il avait été organisé à la hâte pour satisfaire les esprits chagrins qui dénoncent le manque de démocratie à l'intérieur du parti. En Marche désigne demain son nouveau patron. Son suspense, ce sera Christophe Castaner, l'actuel porte-parole du gouvernement. Et donc, Olivier Bost, vous avez passé une belle soirée puisque vous avez suivi très attentivement ce débat sur le site d'En Marche. Oui, en fait, la seule chose qui ressort de ce débat, ce sont les frustrations des militants d'En Marche. Par exemple, leur sentiment de ne pas servir à grand-chose. Pour que quelqu'un s'implique, pour que quelqu'un s'investisse, il faut qu'il pense que sa voix va être entendue. Je ne veux plus entendre qu'il y ait le moindre doute quant à l'utilisation des remontées d'idées. Ça, c'est le premier doute. Ces marcheurs rappellent aussi à ceux qui veulent les diriger l'engagement d'Emmanuel Macron. Que le mouvement reste en mouvement, que les pratiques évoluent, que les visages changent.
parce que c'est notre ADN, c'est la promesse du président de la République. Et puis bien sûr, avec l'élection verrouillée de demain, il reste un gros malaise sur le fonctionnement du mouvement. On ne peut pas travailler sans débat démocratique au sein d'En Marche. On ne peut pas travailler au sein d'En Marche sans liberté. Est-ce que vous voulez que tout soit décidé par Paris ? Ou est-ce que vous voulez que les territoires aient aussi leur place ? Preuve qu'En Marche a encore beaucoup de progrès à faire pour retrouver l'énergie de la campagne. Au plus fort de la soirée, il y avait 270 spectateurs pour regarder ce débat sur Internet. Olivier Bost, et d'après un sondage au Doxa pour le Figaro ce matin, un quart des Français seulement jugent que le parti est plus démocratique que les autres. Il n'y avait pas foule dans les rues non plus contre la politique du gouvernement. 8000 manifestants à Paris d'après la police, 40 000 selon la CGT. C'est toujours deux fois moins que lors de la précédente mobilisation. Malgré tout, Jean-Luc Mélenchon appelle à un nouveau rassemblement samedi prochain. La grande roue de Marcel Campion inaugurée officiellement cet après-midi, place de la Concorde. Et ce sera peut-être la dernière fois, puisque le Conseil de Paris va voter mercredi sa non-reconduction. La mairie qui vient d'obtenir gain de cause sur le marché de Noël devant la justice. Les petits chalets resteront dans les camions, mais le patron des forains, Marcel Campion, refuse de s'avouer vaincu. Rien n'est joué, parce que je suis débouté, mais laissez faire les choses, on verra bien. Je vous dis qu'on est au Conseil d'État et on verra bien ce qui va se passer. Non mais pas possible pratiquement parlant, Marcel Campion. Si, c'est possible, il n'y a pas d'impossibilité. Ça m'est déjà arrivé dans le jardin des Tuileries, on a eu la même situation. On a été rebouté par le tribunal administratif, on a été au Conseil d'État et la fête foraine a bien eu lieu à sa date. Bon, il y aura quelques jours de retard, c'est pas grave, et puis on ira un peu plus tard. Disons qu'on fera le marché de Noël peut-être pour Pâques. Marcel Campion, hier soir chez Marc-Olivier Fogiel sur RTL. On le disait en titre, Toto Riina, l'ancien chef suprême de la mafia, est mort en Italie. Il avait notamment commandité les meurtres des juges antimafia Falcone et Borsellino dans les années 90. Il est en prison depuis 93. Il est mort d'un cancer à 87 ans. Saad Hariri sera demain à Paris. Il accepte l'invitation d'Emmanuel Macron, qu'il rencontrera à l'Élysée, quelques jours après quelques jours de parenthèse, donc le temps d'envisager son retour éventuel au Liban. Les négociations patinent en Allemagne pour tenter de trouver une coalition autour d'Angela Merkel. Les discussions dans l'impasse ont été renvoyées à plus tard. La chancelière, qui a perdu ses alliés du SPD aux dernières législatives, doit essayer de composer un gouvernement alliant les conservateurs, les libéraux et les écologistes. Allez, on marque une pause sur RTL dans le journal du brillant Jérôme Florin et on revient ensuite avec le gouvernement qui est au chevet du patrimoine. RTL Matin, Julien Cellier. 6h passées de 39 minutes, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. La suite du journal après Stéphane Bern, la ministre de la Culture Françoise Nyssen dévoile à son tour aujourd'hui ses pistes pour sauver le patrimoine français. De nombreuses églises sont en ruine, comme celle de Saubus dans les Landes. Une partie de l'édifice s'est même écroulée il y a quelques semaines, Philippe Demaria. Le mur extérieur du cœur de l'église porte les stigmates de l'effondrement de septembre dernier, tombé juste au pied du monument aux morts. La veille des journées du patrimoine, un éboulement. Plusieurs mètres cubes de pierre sont tombés et c'est une grande chance pour nous, finalement, dans notre malheur, qu'il n'y ait pas eu cet éboulement au moment d'une festivité quelconque de commémoration. Une bâche et des étais en bois masquent cette blessure. Un échafaudage tente de stabiliser le tout. L'église Saint-Jean-Baptiste, bâtie au XIIIe siècle, va très mal. La commune fait tout ce qu'elle peut avec ses petits moyens. Le maire de Saubus et Didier Sarciat. On a engagé 74 000 euros sur cette église déjà. C'est très lourd pour une commune comme nous. Qui a un budget ? Au-delà de 500 000 euros, il nous faut de l'aide. Bernadette Lasserre est à la tête d'une asso locale de défense du patrimoine. Cette église est momentanément sans vie. Ça, c'est un drame. Les mariages ne peuvent même plus se faire là, ni même les enterrements. Et les défenseurs de l'église de Saubus frappent à toutes les portes pour tenter de trouver des budgets. Ils viennent de lancer une souscription. Reportage signé Philippe Demaria. En football, deux matchs à suivre ce soir en Ligue 1. Lille reçoit Saint-Etienne à 19h et Amiens retrouve le stade de la Licorne pour accueillir Monaco à 20h45. C'est dans ce stade que s'était effondrée une barrière il y a un mois et demi, faisant 29 blessés parmi les supporters lillois. Et vous vivrez ce match sur RTL. Et puis l'événement hier soir à Marseille, ce n'était pas du foot, c'était ça. Ayam, l'Empire du côté obscur. Akhenaton et sa bande étaient au Dôme de Marseille, de retour chez eux donc, pour fêter les 20 ans de leur album mythique, l'école du micro d'argent. Pour nous, ici à RTL, c'est plutôt l'école du micro rouge.
Il est pertinent, il est drôle. Drôle, je ne sais pas. Pertinent, il l'est en tout cas. Il essaye en tous les cas. C'était le journal de Jérôme Florin. Ça, c'est toute notre adolescence. Enfin, la mienne en tout cas, pas forcément la vôtre, Marina. Non. Le temps, Marina, justement. J'adore cette bonne ambiance. C'est gris au nord. Bah oui, on n'a pas changé une équipe qui gagne. C'est gris au nord, mais pas partout au nord. Voilà, esprit de contradiction. Sur les Hauts-de-France, le soleil va revenir. Ça sera du beau temps pour vous aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le reste de la moitié nord, la grisaille résiste. Des brumes, des débrouillards, des passages nuageux avec quelques gouttes. Il faut vraiment aller sur la moitié sud pour avoir du soleil. On patiente aussi, parce que vous aussi, vous avez des brumes et des brouillards. Mais ça va se dissiper. Ce sera du beau, en gros, de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées, avec un peu de mistral et de tramontane. Et côté température, ça remonte un petit peu. Il fait quand même moins froid qu'hier, entre 6 à Strasbourg et 19 à Perpignan. On attend 10 à Lille et Lyon, 11 à Paris, il fera 13 à Cognac et 15 degrés à Nîmes. Merci Marina. Marina, si je vous dis who, ha, vous répondez ? Ah, who ? Who, ha ? Cantona ! Cantona ! On s'en fait avec Eric Cantona, Cyprien Sini. Alors justement, Cantona souffre d'amnésie sélective, c'est assez inquiétant. Allez, bon réveil avec RTL tout de suite. Cyprien, on surfe. Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. De l'info. Cyprien Sini. Belle matinée avec RTL, 6h44 et Cyprien, vous surfez donc avec The King, Eric Cantona. Cantona, une légende, un mythe, même vous qui n'êtes pas très foot, Marina, Cantona, oui. Vous voyez qui c'est quand même. Oui, quand même. Eh bien, cette semaine, Cantona, je suis rassuré, faisait le tour des plateaux télé-radio pour la promo d'un livre de dessin intitulé Mon carnet. Bonjour Eric Cantona. Bonjour. Bonsoir Eric Cantona. Bonsoir Eric Cantona. Bonsoir. Avec nous Eric Cantona. Cantona partout et Eric Cantona rattrapé par l'actualité, oui. Car souvenez-vous, il y a 15 jours, le joueur de l'OM Patrice Evra a mis un coup de pied à un supporter. Un peu comme Cantona l'avait fait il y a 23 ans. Donc forcément, tout le monde a voulu demander à Eric Cantona ce qu'il avait pensé du geste d'Evra. Du coup, lundi dernier sur France 5, première télé de la semaine, ils lui ont demandé s'il avait vu le geste d'Evra. Réponse de Canto. Non, j'étais en Chine. Pas de bol, j'étais en Chine. Il a rien vu. Alors, il lui explique, il y a même une photo du coup de pied qui apparaît sur les écrans. Là, il pourra pas dire qu'il était pas au courant. Hein. Bref, le lendemain, sur RTL, à 11h30, même question, qu'a-t-il pensé du coup de pied d'Evra ? Réponse. J'ai pas suivi, moi, le truc. Je suis rentré hier matin de Chine, après deux mois. On parle ni d'Evra, ni de la France. Vous avez pas voulu qu'on voit photo, j'ai pas sur le principe. Ouais, au courant de rien. Et la veille sur France 5, on lui avait pas expliqué, il avait pas eu de photo. Non, rien. Alors là, on se demande s'il commencerait pas un peu à nous prendre pour des jambons. Alors nous, bonne patte, on lui explique tout. Votre serviteur lui précise même. Enfin, vous aviez tapé un supporter adverse, alors que lui, il a tapé un supporter de l'OM. Ah, ben bon, oui, comme quoi, je savais pas. Ouais, mais il persiste, il savait rien, vraiment rien. Maintenant, il sait, hein. Passons. Du coup, le soir même, sur LCI, il allait enfin pouvoir la commenter, cette affaire. On lui a tout expliqué. Résultat ? On me parlait de trucs tout à l'heure, je savais même pas que c'était passé. On m'a parlé de l'affaire Evra, je savais même pas où c'était passé. J'arrive de Chine hier, je suis rentré, je tournais un film, je suis resté deux mois en Chine, j'ai jamais entendu parler de la France. Et puis on me parlait de trucs, je suis au courant de rien. Ah bah non, au courant, rien, toujours pas. Mais quand même, il va faire un petit effort, il va préciser. Moi, j'ai sauté sur un hooligan de l'équipe adverse, pas sur un supporter de Manchester. Ah, ça imprime un peu quand même, c'est rassurant. Sauf que le lendemain. Pas de bol, sur Yahoo Sport, il va être pris d'une amnésie soudaine. Oui, ça fait quand même 10 fois qu'on lui explique, qu'on lui a montré des images. Mais alors, le coup de pied d'Evra, jamais entendu parler. Non, j'ai pas vu, j'étais en Chine, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça y est, ça recommence, nouvelle perte de mémoire là. Je crois qu'il nous prend vraiment pour des trucs. Ouais. Et en plus, il va continuer en mode acteur studio. Mm. Bah, il a fait un coup de pied un peu de karaté, comme ce que t'as fait une fois un jour. Est-ce qu'il a fait ça sur un hooligan de l'équipe avec un hooligan de supportant l'équipe adverse ? Non. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est sûr qu'il l'a tapé. Sur un supporter, Marseille. Ah ouais, je savais pas. Il joue vraiment bien, le mec qui est pas au courant quand même. Après dribbler son adversaire. Hein. Voilà, justement. Et dribbler son adversaire avec un ballon ou avec des questions, c'est tout un art. Et Canto, visiblement, bah, il a l'acting dans le sang. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, c'était pas le même pied. Il y en a un pied droit, un pied gauche. Bah oui, Cantona c'est pied droit, Evra c'est pied gauche. Ah bah ça change tout. Ça change tout. Bon, au bout d'une semaine, il doit quand même connaître un peu l'affaire maintenant. Oui, certainement. Merci Cyprien. On vous retrouve tout à l'heure, 7h25 avec Yves Calvi et bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin. RTL Matin. Julien Cellier. Allez, bon réveil, il est 6h47. Si vous venez d'allumer votre radio, je vous rappelle les infos à retenir ce matin. Tout d'abord, l'avion est prêt. Saad Hariri arrivera en France demain. Le Premier ministre libanais sera reçu à l'Elysée. Hier encore, Jean-Yves Le Drian était en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite où Hariri a annoncé sa démission surprise il y a 2 semaines. Depuis, son pays estime qu'on lui a forcé la main. Le flop du débat chez La République En Marche à la veille du congrès fondateur. 4 listes
listes sont en lice pour le bureau exécutif. Elles se sont confrontées hier soir en direct sur Facebook. Le rendez-vous a été suivi au plus fort de la soirée par seulement 270 internautes. Flop aussi, les manifestations contre la réforme du code du travail n'attirent plus les foules. 80 000 participants d'après les autorités hier, entre 8 et 40 000 personnes par exemple dans les rues de Paris. On fait le point maintenant sur le trafic de ce vendredi matin, Olivia. 70 km de bouchons cumulés en Ile-de-France, essentiellement en direction de la capitale, sur l'A6 depuis Évry, sur l'A115 à partir de Franconville et sur l'A1 depuis le Bourget. Ailleurs, je vous signale que l'autoroute A11 est toujours fermée vers Le Mans, entre Chartres et Damary. Merci Olivia. Dans un instant, les experts des petits matins. Bonjour Vincent Derosier. Bonjour. Bonjour Christian Melanteau. Bonjour à tous. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on apprend dans vos confidentiels? Alors je vais vous parler de Laurent Wauquiez qui donne des cauchemars aux marcheurs. Il faut dire que le président du conseil Rhône-Alpes... RTL Matin, les confidentiels RTL. Les confidentiels de Vincent Derosier à 6h51 ce matin sur RTL. Ce matin, Vincent, vous nous dites que Laurent Wauquiez fait peur à La République En Marche. Oui, Laurent Wauquiez va devenir redoutable. Vous remarquerez que le député En Marche qui s'exprime parle au futur et non au conditionnel. Parce qu'il en est persuadé, l'opposant numéro 1 demain, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, mais bien le favori pour devenir le patron de la droite. Et l'analyse est largement partagée dans le groupe à l'Assemblée. Plus personne ne se moque de Laurent Wauquiez, au contraire, il suscite des craintes. Il a 4 ans pour construire, c'est un vrai danger, lâche le député de Paris, Hugues Granson. Les parlementaires de la majorité ont beau le décrire comme quelqu'un de brutal et d'antipathique. Ils s'accordent tous sur un point, le pouvoir de nuisance de Laurent Wauquiez va leur poser des problèmes dans le quinquennat. Même à Matignon, un conseiller parle d'un homme intelligent et structuré. L'alerte anti-Wauquiez a donc été déclenchée. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos de marcheurs s'en prennent à lui. Et ça l'arrange. En petit comité, Laurent Wauquiez confie qu'il continue à faire de moi une caricature. Ils sont en train de fabriquer un champion à droite, rien que ça. Emmanuel Macron aussi est conscient du danger dans l'esprit du président. C'est au mouvement En Marche de contrer les offensives de la droite sur le terrain. C'est aussi pour ça qu'il a choisi Christophe Castaner pour diriger le parti. Vaut plus maintenant, Vincent, et cette drôle analyse de l'Élysée au sujet de la une du Time avec Emmanuel Macron. Oui, vous savez, on en a beaucoup parlé sur RTL. Macron, le prochain leader de l'Europe, pouvait-on lire, et en bas à droite de la couverture, un brin d'ironie, encore faudrait-il qu'il arrive à diriger la France. Eh bien, cette couverture, voilà ce qu'en dit un conseiller du Palais. Ce que les Français retiennent, explique-t-il, c'est qu'il y a une belle photo dans un grand journal. Alors on s'interroge, est-ce que ça veut dire que, plus généralement, les Français ne regardent que les images et pas le texte? Réponse du conseiller, oui. Autrement dit, pour l'Élysée, ce qui reste dans la tête des Français, c'est l'image. Ça vaut mieux que tous les discours. La preuve encore cette semaine dans Paris Match, un reportage de 18 pages lui est consacré. On compte 26 photos et 4 pages de texte. Enfin, François Hollande n'a rien perdu de son sens de l'humour. Oui, la scène se déroule pendant les cérémonies du 11 novembre, place de l'Étoile. Il fait froid, il pleut et Emmanuel Macron a du retard, rien que du classique. François Hollande est là, il y a aussi plusieurs ministres. L'ancien président se retourne alors vers les membres du gouvernement et leur glisse. On ne pourra pas dire qu'il n'y a qu'avec moi qu'il pleut. Entre François Hollande et son ancien conseiller, on n'en a pas fini avec les amabilités. Merci beaucoup Vincent. Vos confidentiels, on les réécoute sur RTL.fr et je vous donne les deux autres rendez-vous politiques qui sont à venir dans cette matinale. L'édito politique d'Alba Ventura à 7h15 sur Manuel Valls en mode combat. Et puis à la veille du congrès fondateur de La République En Marche à 7h45, l'invité d'Elisabeth Martichoux sera le député marcheur Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine. RTL Matin. Écho Menanteau. Expert numéro 2, Christian Menanteau. Christian, Emmanuel Macron a tranché. Le nouveau patron de la Caisse des dépôts ne sera pas un haut fonctionnaire et ça, c'est une petite révolution. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire parce que, écoutez, la plus puissante des institutions financières de la République va être confiée à qui ? À un assureur diplômé d'HEC. Vous imaginez 2 siècles de pouvoir et de puissance qui échappent à la haute fonction publique. Alors, le bon côté de ce virage historique, c'est que le futur directeur général aura les mains libres dans l'organisation et la gestion de la caisse, une liberté qui est bien sûr statutaire, mais dont il va probablement profiter à plein. Mais cette nomination, qui doit bien sûr être confirmée par l'Assemblée nationale, est d'abord et avant tout un pion dans la stratégie du président. Monsieur Éric Lombard, c'est son nom, sera en effet essentiellement l'exécuteur de son schéma de clarification et d'optimisation de cet outil financier qui est unique en Europe. Quels sont les objectifs de l'Élysée ? Eh bien, dans un premier temps, il s'agit de faire le ménage en brisant au passage les chapelles et les baronnies d'une institution qui est à la fois surpuissante mais aussi
impotente. La mission fondatrice de la Caisse, c'est en effet de protéger l'épargne des Français. C'est elle qui garantit nos livrets A, c'est elle qui est le pilier historique du logement social, c'est elle qui gère les caisses de retraite ou les fonds des notaires. Et à ces métiers traditionnels, eh bien, se sont ajoutés au fil du temps et au gré des modes des participations dans la quasi-totalité des grands secteurs économiques. Tourisme, assurance, logement, transport, nouvelles technologies. Alors, ce sont des investissements souvent éclairés, mais parfois insolite, voire difficile à justifier, comme cette incursion dans une chaîne de fast-food. En fait, le seul point commun dans cette stratégie d'investissement, c'est qu'au fil des alternances, eh bien, elle n'a jamais eu de ligne bien définie. La Caisse ne va pas être fragilisée à terme? Ça, c'est un risque, vous avez raison. Alors, il faut bien sûr dynamiser la machine, ça s'impose, mais briser l'outil serait finalement très maladroit. La Caisse des dépôts reste un levier incontournable pour protéger notre épargne et assumer des dépenses d'intérêt général qui, bien sûr, ne sont pas très rentables. On vaut plus maintenant ? Volkswagen va investir 10 milliards dans la voiture électrique et il va le faire en Chine. On voit que le grand virage de l'électrique s'affirme partout et le paiement sans contact, alors là c'est en France que ça se passe, eh bien se banalise. Le cap du milliard de transactions a été franchi. Allez, votre note maintenant, elle n'est pas terrible ce matin. 6 sur 20 à notre système ferroviaire, c'est un héritage bien sûr, mais on vient de constater, un rapport de l'ARAFER nous le présente, qu'il est extrêmement déséquilibré. 31% des 29 000 kilomètres du réseau ferré ne voient passer que 1% des circulations de trains de voyageurs. Vous imaginez tout cet investissement pour si peu d'usage public. Merci beaucoup Christian. On vous réécoute bien entendu sur rtl.fr. Et vous, on vous écoute Louis Baudin. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors merci. C'est un peu bloqué ce matin. Des nuages au nord, du soleil au sud. C'est assez classique, pas forcément agréable pour nous ici à Paris, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est vrai que pourtant on a des conditions anticycloniques. On n'a pas de perturbations en vue, mais sous ces anticyclones d'automne, eh bien, malheureusement, parfois on a de la grisaille et c'est le cas en ce moment sur la moitié nord. C'est encore le cas ce matin et cette grisaille s'accompagne même par endroits de quelques petites bruines. C'est encore plus désagréable. Il y en a un petit peu là au nord de la Seine, un petit peu dans le nord-est également. Puis ça s'accompagne également de brouillard. Il y en a alors à Millau, là c'est dans le sud, à Montauban, à Clermont-Ferrand, à Auxerre, du côté de Laval ou encore Charleville-Mézières. Donc à peu près les mêmes conditions qu'hier, avec plus on va vers le sud, plus en revanche un ciel déjà dégagé, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée, où on retrouve un petit peu de mistral déjà ce matin, 70 km/h du côté d'Avignon. Alors cet après-midi, cette grisaille, ces brouillards vont finir par se dissiper plus ou moins vite. On l'a vu hier, dans la moitié nord, ça ne s'accompagne pas toujours de très belles éclaircies, mais il devrait y en avoir un petit peu, plus de précipitations. Et puis dans la moitié sud, alors la limite, c'est toujours à peu près la même. La Rochelle, la vallée de la Saône, on va vers Genève. Au sud, là, on retrouvera un ciel très dégagé avec du mistral et de la tramontane jusqu'à 70 km/h. Côté température, dégelé ce matin, au Puy, à Albi, à Carpentras, à Rodez. Bref, il y en a comme hier, quasiment du sud-ouest aux frontières de l'Est. Et cet après-midi, température qui remonte un tout petit peu, 6 à 8 degrés quand même, pas plus, de la région en Alpes au nord-est, 10 à 11 degrés dans les régions du nord-ouest, jusqu'à 14 degrés dans le sud-ouest, et on dépassera quand même les 15 degrés près de la Méditerranée. Merci Louis, on vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine à l'écoute de RTL. Il est 6h59 et on laisse maintenant le micro à Yves Calvi, l'homme qui, chaque matin, jusqu'à 9h30, réunit toujours plus d'auditeurs. Vous êtes aimable, vous aussi, c'est la réalité. Bonjour à vous Julien et bonjour à tous. Et ce matin, je vous propose entre autres trois rendez-vous de curiosité bien différents dans votre matinale d'info. Tout d'abord, une première mondiale qui ouvre des perspectives qui laissent songeur. Une équipe californienne vient d'utiliser des gènes réparateurs pour vaincre la maladie dégénérative d'un patient. Et cela avec une simple perfusion. On rêve bien entendu d'un graal de thérapie génique efficace. Nous allons détailler tout cela avec le généticien Axel Kahn, lui-même ancien membre du comité d'éthique. L'ADN est notre signature à nous, êtres humains. Bref, les questions sont médicales, scientifiques et finalement aussi éthiques. 3 minutes pour comprendre cette première mondiale à 7h15. Autre dossier de la matinale, politique cette fois. Les manifestations continuent et font des bides. Alors Emmanuel Macron est-il libre de ses réformes et même de mettre en place un parti quasi-militaire avec La République En Marche? La question sera posée à 7h45 à son député de 28 ans, Gabriel Attal. Rendez-vous avec Elisabeth Martichoux. Et puis enfin à 9h, un autre Attal, Yvan, pour son dernier film avec Daniel Auteuil. Le Brio, c'est son titre. Les deux compères seront avec nous en studio dès 9h dans Laissez-vous tenter. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2017. Bonne journée à tous. RTL, il est 7h.